fait, c'est que vous vous retrouviez tous à la promenade des dieux. Promenade des dieux qui, pour l'instant, est défendue bec et ongle par notamment Engla et Caron, mais également tous les dévots qui sont affiliés à des temples, tous les soldats qui auraient pu fuir les autres quartiers et se regrouper là derrière les barricades qui ont été mises en place à la va-vite. On va considérer pour la praticité du jeu que, eh bien, Théodoric, tu fais partie de ces soldats qui ont fui par exemple le quartier de la loi parce que ça devenait intenable, qu'il y avait des scaven partout, que tous tes camarades et tous les gradés se sont fait soit découpés en morceaux, soit brûlés par des espèces d'engins qui lançaient des flammes vertes, et vous avez donc suivi finalement les cloches de Sigmar qui sonnaient le tocsin et qui rappelaient tout le monde pour un dernier baroud d'honneur là-haut. Et frère Léo, toi, de ton côté, tu étais toujours dans le temple de mort. Tu étais occupé avec cette histoire d'ossement, cette histoire de dernier sacrement là, pour comment s'appelait-il déjà ? Je me souviens plus. C'est pas très grave. Hans Baumer, un truc comme ça, là, je sais plus. Ouais, quelque chose comme ça. Et le temple de mort a quant à lui été attaqué par dessous. C'était Christophe. Christophe Baumer, merci. Il a été attaqué par dessous parce qu'il y a des caves, des cryptes, des tombeaux souterrains, des choses comme ça. Et il s'avère que les Skaven sont également passés par là et sont rentrés dans le bas du temple de mort. D'où le fait que dehors, il y a très peu de prêtres de mort qui sont en train de se battre pour défendre la promenade des dieux parce que, eh bien, ils sont très occupés en dessous. Ouais, d'accord. Mais les prêtres de mort et surtout les... Oh, comment ils s'appellent les soldats de mort? Les templiers de mort, là. Ont repoussé les Skaven et donc vous commencez à ressortir sur le... au niveau du rez-de-chaussée, quoi, si tu veux. Ouais, d'accord. Du coup, on va recommencer là. La situation est assez simple. Où est-il? J'ai perdu Théodoric. Théodoric. Quel beau gosse. T'étais en train de fuir et tu te retrouves au niveau du temple de mort. Mmh. Au moment, comme par hasard, où frère Léo sort du temple de mort, les barricades qui ont été placées par Engla, Caron et les autres ici, enfin la barricade qui a été placée par Engla, Caron et les autres ici, est toujours debout. Il y a des tas de cadavres de Skaven éparpillés devant, dessus, derrière. Mais par contre, vous entendez qu'il y a une bataille qui a lieu en haut du quartier, au nord du quartier, plutôt ici. Et c'est là où on trouve Engla et Caron. Je tiens juste à préciser que j'étais sur les remparts. Tout à fait. À vouloir éviter d'affronter les Skaven au corps à corps directement, j'avais fait le choix de monter sur les remparts et de piquer un arc et des flèches qui traînaient pour pouvoir tirer sur les ennemis. Voilà, exactement. Et quand le combat s'était déclaré au nord, on avait fait le tour avec les archers sur tous les remparts. Donc la situation... comme je disais, c'est assez simple. Il y a des Skaven partout dans la ville, ça vous le savez tous. Vous l'avez entendu, vous l'avez vu, vous l'avez compris. Le quartier de la promenade des dieux a tenu, mais vient d'être envahi par le nord. Autour de vous, il y a des soldats, des prêtres guerriers, des habitants peut-être, un petit peu. Il doit y avoir des chaléens, il doit y avoir des mendiants, choses comme ça. Et surtout, Caron Engla, en face de vous, il y a ces énormes ogres difformes, rats ogres difformes,
dont certains des membres ont été chirurgicalement modifiés, il leur manque un bras, on a mis une lame à la place, etc. Et ils viennent d'être lâchés sur, on va dire, vous êtes une centaine de combattants de votre côté, et il y en a 3 ou 4 qui viennent d'être lâchés sur, dans ces ruelles-là, entre les temples. On ne va pas faire le combat et l'escarmouche ici, tour par tour et dé, jet de dé par jet de dé. J'aimerais juste voir si vous avez bien capté un peu l'ambiance générale du truc et vous demander quels sont vos objectifs. Après, est-ce que vous arrivez à le faire ou pas, on va voir, mais qu'est-ce que vous comptez faire? Quels sont vos plans individuellement, puisque là, à part Léo et Théo, vous n'êtes pas en capacité de parler entre vous. Quand je vois les quatre masses en face de moi, clairement, je fais demi-tour. Mon okay. but, c'est de redescendre et je vais essayer de me rapprocher du temple de Sigmar, puisqu'il y avait... quelques personnes du temple de Sigmar qui étaient là et qui conseillaient de venir se mettre à l'abri à l'intérieur du temple. Et puisque ouais. j'ai pas d'autre solution, c'est ce que je vais viser. Moi aussi, puisqu'il y avait des prêtres de Sigmar apparemment qui disaient de se replier dans le temple, donc comme je suis à côté, je vais y aller. Je sais pas si j'ai vu Théo ou pas. Oui, vous voyez. En fait, en bas, là, devant le temple de mort, le temple de Sigmar, etc., il n'y a plus vraiment de combat. C'est plutôt qu'on regarde les cadavres, on regarde, on contemple les bras ballants. C'est plutôt un peu plus haut qu'il y a la baston. Ouais. On était de nuit, hein, il me semble. Oui. C'est tard là. Hein. C'était le début de la nuit, hein, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'il y aurait des, sans doute des, peut-être que des torches, mais est-ce qu'il y a peut-être aussi des braseros sur les remparts qui illumineraient? Oui, certainement, tout à fait. Ok. Et la porte de là où les Raogre arrivent, c'était une simple porte? Je crois pas que c'était une herse. Non, c'est une porte, oui, tout à fait. Ok. Ok, bah voyons la situation qui nous échappe totalement, hein, à moi et à la populace qui est autour. Et regardant derrière moi, ces gens qui crient et qui hurlent. Dans la foule, je vois Engla qui part vers le temple de Sigmar. Et du coup, je vais descendre en courant de la tour, juste à côté de la porte, et je vais commencer à courir vers le temple moi-même. Très bien. Votre objectif, c'est donc de redescendre vers le temple, à peu près tous. Hein. Ok, très très bien. En rameutant la centaine de personnes qui se tient à côté de nous. Enfin, pour oui, ma moi aussi. Hein. Enfin, je sais pas si Théo il a entendu les prêtres de Sigmar dire de se replier dans le temple. Donc je lui dis, si je le vois. Moi, ouais, comme je t'ai dit, il est là. Donc nous, on s'est juste croisés alors avec Léopold. Là, on vient de se croiser. On court côte à côte, je pense, vers le temple de Sigmar, non? Puisque tu passais devant le temple de mort quand moi je sortais. Ouais, on n'a pas le temps. Je veux dire, on est dans l'urgence aussi. C'est ça, j'étais pas sûr d'avoir compris si on était dans l'urgence pour aller rejoindre le front. Bah, il n'y a plus rien à faire là où on est. Mais ce qu'il y a, c'est que vous, de derrière, en fait, vous ne savez pas comment est le front, en fait, finalement. D'accord. Hein. Vous savez qu'il y a bagarre là-bas, donc il ne serait pas déconnant que vous vous dirigiez vers là-bas et que vous voyez finalement tout le monde okay. fuir dans ta en sens inverse, quoi. Et qu'on vous dise que tu rencontres, par exemple, là, Engla et Caron, tu vois. Mais en effet... Okay. Devant vous, là, il n'y a pas d'urgence. C'est juste que il y a quelqu'un, il n'y a pas 5 minutes, qui a crié que le quartier de la Promenade des Dieux était attaqué par Fort Schwartz. Donc, ouais, bon. La plupart des soldats sont montés vers Fort Schwartz pour essayer de se défendre. Sauf que quand ils sont arrivés, finalement, c'était trop tard, mais ils ne pouvaient pas le savoir avant. Quoi. Mais du coup, je suis en train de courir dans la rue et effectivement, je croise Théodoric. Putain Théo, mais qu'est-ce que tu fous là? Il y a des putains de gros rats musclés à la porte nord, il faut se barrer d'ici. Suis-moi au temple. Je suis venu pour aider, je
On fuit, je comprends pas. On résiste pas, je suis revenu en ville récemment, là. Y'a rien à faire. Ah, ok, je vous suis. Effectivement, derrière la silhouette d'Engla, la silhouette de Caron et la silhouette de plusieurs soldats qui sont en train de courir, t'en vois certains qui sont littéralement en train de voler dans les airs. Et tu vois une énorme masse de 3-4 mètres de haut là qui est en train de donner des coups à gauche, à droite. Tu vois, vu qu'il fait nuit, tu vois juste l'ombre en fait. Hein. Mais tu vois cette espèce de déploiement de violence et de déchaînement là, incompréhensible. Tu sais pas trop ce qui se passe là-bas, mais ça a l'air grave quoi. Je me retourne vers frère Léopold et quand j'ai compris qu'il fallait qu'on se tire de là, je hais le frère Léopold et je dis frère Léopold, on peut pas rester ici, le fond est perdu. Moi je suis au temple de Sigmar déjà. Mais je croyais que t'étais avec moi. Bah, moi je t'ai croisé, je t'ai dit il faut aller au temple de Sigmar, mais si tu es pas venu avec moi... Ouais, j'ai rien compris, j'ai cru qu'on allait au même endroit en fait. Bon, alors dans ce cas, j'ai rien dit. Bon, c'est pas très loin de toute façon. Donc vous êtes poursuivi, grosso modo, par des rats ogres, et vous vous dirigez vers le temple de Sigmar. Il y aura encore problème à ce que vous y arriviez. Vous allez donc arriver devant ces grandes marches-là. Il y a pas mal de monde, il y a pas mal de soldats, de prêtres, et tous regardent finalement vers le nord, là, vers Fort Schwartz. Et vous voyez effectivement ces rats ogres qui sont en train d'avancer, et qui déchaînent leur violence à droite à gauche, parfois contre les bâtiments, parfois contre les gens. C'était dans la rue, vous rentrez à l'intérieur. Moi, je commence... Je rentrerai dans le temple, je pense. D'accord. Mm. Oui, en arrivant, je pousse la foule hein, qui a agglutiné devant les marches, et j'essaie de me frayer un chemin pour rentrer à l'intérieur. Hein. En laissant tous les civils derrière moi, j'en ai rien à faire. L'important, c'est de sauver ma vie, donc je pousse tout le monde, quitte à faire tomber des gens. Okay. Moi, je fais l'inverse. Moi, je quand je vois que les gens sont devant, j'essaie de les appeler, en fait. J'essaie de me rendre visible et je leur dis « Il faut rentrer dans le temple de Sigmar. Suivez-moi, on va prendre une vague. Allez !» J'essaie de les organiser, je fais comme je peux, je rameute tout le monde. Et je les tire, tu sais, quand il y a des familles et tout, je les mets ensemble, je les pousse, je dis « Allez, dans le temple !» J'essaie de faire rentrer tout le monde. Très bien. Engla. Je vais rester quelques instants à hauteur de Théodoric et si je vois l'ombre qui se rapproche un peu trop, je vais le prendre par le bras et je vais le pousser dans le temple sans lui demander son avis. Ils ont l'air un peu occupés, les rats ogres là-haut, tu sais pas par quoi. Par contre, ce que tu remarques, c'est que au sud, au niveau de la barricade, à côté du temple de mort en bas, là, il y a du mouvement, sans trop savoir ce que c'est. Putain. Est-ce que c'est des Skaven? Est-ce que c'est des alliés à vous? Tu sais pas. Toi, Caron, tu vois pas parce que t'es rentré à l'intérieur. Tout ça, ouais, autour de vous, Engla, Théodoric, c'est... entrecoupé de Skaven tout petits, tout marrons là, qui essayent de se rapprocher de vous, mais qui sont facilement découpés par vous-même d'ailleurs, ou les soldats qui sont à côté de vous. Les petits Skaven comme ça, vous savez bien que maintenant vous avez l'habitude, ils sont pas très forts. Et surtout ils font pas le poids, ils sont pas assez nombreux là. Mais effectivement, ça a l'air de bouger en bas aussi. Les gens commencent à rentrer dans le temple de Sigmar et la place se vide un petit peu. Il va rester que des combattants là autour de vous qui vont essayer de tenir les marches. Et à l'intérieur du temple, comment se comportent les Sigmarites? Est-ce qu'ils sont sur le pied de guerre ou est-ce qu'ils tentent de barricader quelque chose ou est-ce qu'ils tentent une sortie quand... Ils sont sur le pied de guerre, ils ramènent les arbalètes près des meurtrières, il y en a qui s'occupent d'entasser les civils dans un coin pour pas que ça les gêne. Ils sont en train de se préparer à défendre l'intérieur du temple. Ah ouais, ok. Pour l'instant, il n'y a pas de sortie de prévue de ce que tu comprends. Ok, il se prépare à encaisser. Ouais. Moi, je vais rentrer dans le temple aussi. Quand je suis en train de courir frénétiquement dans le temple, dès que je croise un Sigmarite, peu importe qui c'est,
Je vais lui hurler dessus en lui disant « Est-ce qu'il y a une autre issue à cet endroit? Est-ce qu'il y a une putain d'autre issue ?» On va te répondre, une issue? Non, pas d'issue, qu'est-ce que vous voulez? Il y a une porte et puis c'est tout. Pas de sous-sol? On a bien un sous-sol avec les provisions, choses comme ça, mais ça n'a pas d'issue. Ah putain. Et je le laisse là où il est et je voudrais essayer de monter un petit peu, monter un étage si je peux ou quoi, et me mettre à une fenêtre qui me donnera un petit peu de vue sur ce qui va arriver. Il n'y a pas du tout de fenêtre, c'est vraiment que des meurtrières. Donc, ok, c'est un fort, vraiment. C'est, okay. C'est vraiment, bon. Oui, c'est très très... C'est fait pour la défense, quoi. Je me mets sur une meurtrière, alors, face au nord. Face au nord, ok. D'où tu es, tu vois bien. Hein. Il y a plusieurs ogres qui sont en train de se battre contre... Bah, il doit y avoir des soldats qui sont restés, en fait, pour se battre. De ce que tu vois, t'as l'impression qu'il y a un ogre d'ailleurs, qui est en train de... qui est en mauvaise posture, qui a dû plier le genou et qui est en train de se faire piquer de toutes parts par une bonne demi-douzaine d'humains, là. C'est des soldats en armure, tu sais pas trop d'où ils sortent. Bien, je reste là en observateur. Tu observes. Moi, t'as bien dit, je pouvais pas manipuler d'arbalète, hein, si j'ai pas le... C'est ça, si j'ai pas la... Ouais, effectivement, normalement, ouais. Si tu sais pas le faire, ton personnage n'aura même pas l'idée d'essayer de le faire. Quoi. D'accord, ok. Prends un arc. Oui, voilà, tu peux peut-être prendre un arc. Mais un arc... les arcs, je peux ? Normalement, oui, tu dois pouvoir. Ah, la d'accord. La complexité d'une arbalète, c'est de recharger, en fait. Ah, ok. Ah, mais les arcs, je peux. Ah, je savais pas. Bon, bah, je vais voir si je trouve un arc par là. Ok, de toute façon, les cibles manquent pas, hein, dehors, hein, comme vous l'avez compris. Et des flèches, ouais. C'est ça. Les deux qui étaient encore en bas des marches. Est-ce que vous faites quelque chose ? Vous vous rendez compte, tous les deux, toi aussi, Théodoric, qu'en bas, il y a du mouvement. Et vous voyez, juste avant de prendre une décision, un cheval qui déboule avec un cavalier sur son dos. De par le bas ? De par le bas. Et le cheval, comme le cavalier, sont tous les deux caparaçonnés. Le chevalier, l'épée au clair. Et il est en train de tailler... à côté de lui, dans quelques petits scaven qui sont en train d'essayer de niaquer sa monture. Là. Le cheval qui piaffe un petit peu, qui essaye de se dépêtrer de ses assaillants. Derrière, vous voyez également d'autres soldats sur des chevaux. Mais ils sont assez loin, ils sont à une cinquantaine de mètres là. Vous, autour de vous, il y a très peu de scaven. Je vais me concentrer sur les civils et une fois qu'ils sont rentrés dans le temple, je vais me retourner et aller rejoindre les soldats qui gardent les marches. Ok, bah tu y es déjà au niveau des marches. Hein, de toute façon. Bah disons que je m'occupe plus des civils, quoi. Je me mets en position avec eux. Et... Ok, très bien. Ben, ils sont là, ils sont à côté de toi. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de décideurs, là, de commandants, quoi que ce soit. Ils sont un peu en train de se tâter, quoi. On fait quoi? On reste aux marches? On va aider en bas? J'ai l'impression qu'il y a des cavaliers, des chevaliers, et puis en haut, il y a ces grosses bêtes, là. Qu'est-ce qu'on fait? On défend le temple, on va aider l'un, l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Il s'adresse à toi, il s'adresse à tout le monde, il s'adresse à la cantonade. Mais les combattants, ils sont encore sur les marches ou les gens veulent rentrer aussi? Les combattants vont aussi rentrer dans le temple? Il y en a une partie qui sont rentrés dedans, et il y en a une partie qui est avec vous en bas. Et ils ont fait un peu comme vous. Caron et frère Léo sont montés, il y a une partie des soldats qui sont rentrés. Ouais. Certainement les Sigmarites qui sont allés prendre leur poste, en fait, pour défendre le temple. Et d'un autre côté, il y en a également qui défendent les marches au cas où il y aurait besoin dehors, quoi. Et pourquoi on rentre pas dans le temple, tous? On défendra mieux la position de l'intérieur. Ça sert à quoi de rester sur les marches? Là, je m'adresse à tous les combattants, à tous les gens qui sont là. J'essaie de voir s'il n'y a pas un capitaine, un truc. Et tu vois qu'il n'y a pas... Non, il n'y a pas de... Les capitaines, ils ont dû soit rester au front, soit périr. Mais là, bah, effectivement, il n'y en a pas, quoi. Bah, franchement, je vois ça. Je vois qu'il n'y a pas de réponse. Je commence à me revoir quand j'étais avec les mercenaires, quand je priais Myrmidia, que j'imaginais un peu les guerriers de Myrmidia, tout ça.
Et je monte un peu plus haut sur les marches et je m'adresse aux soldats et je leur dis « Tous dans le temple de Sigmar, nous serons protégés par les dieux, ça sera une meilleure position pour défendre, ça sert à rien de rester là, on va se faire déborder. Allez, rentrez à l'intérieur, il y a des gens à protéger !» J'essaie de les convaincre de reculer avec nous. J'en rajoute une couche de mon côté quand t'as terminé ta tirade, je dis « Il sait ce qu'il raconte, on devrait l'écouter, vraiment. » Très bien, je vais te demander un petit jet de commandement. Je pense que t'as pas BZF, mais je vais te donner un bonus de 30. Avec Engla qui a récolté tous les lauriers de la bataille précédente sur la barricade. Je vous remets au point de fortune d'ailleurs. Et, merci. Je cherche les compétences, c'était où déjà ça? Dans ta fiche de perso. Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé. Deuxième commandement. Ah ouais, non, j'ai que un demi en commandement. Putain, j'étais convaincu que j'avais quelque chose. Shit. Bon, ça pue l'us gaga. Alors. Tout en délicatesse ce soir. Le vocabulaire est recherché. J'ai combien là? Non, je vais relancer. Oh, c'était pas. Attends, non, je vais dépenser un point de fortune pour gagner 5%. Je peux faire ça, non? Mais t'as fait 100 de toute façon. Non? Ah si, merde! Ah putain, je regardais pas le bon résultat. Oh la Le premier jet de la soirée. Boum! Oh, c'est fort! C'est dur là. J'ai le droit de le relancer ou c'est mort quand c'est 100? Oui, non, t'as le droit. Je vais le relancer. Je vais dépenser un point de fortune. Allez, bordel! Laisse tomber. Tiens. Ouais, c'est mieux. Il y a les gens qui savent pas trop. Mais il y a quand même des camarades à nous qui sont en train de se battre et de se faire submerger là-haut. Il faudrait peut-être aller les aider. Il y en a quelques-uns. Non, il a raison. Qui viennent avec vous, qui viennent avec toi, qui montent les marches. Mais tu n'auras pas tous les soldats qui vont te suivre. Vous rentrez quand même à l'intérieur ou voyant ça, vous faites autre chose? Non, là, moi, c'est bon, je rentre avec ceux qui viennent. Je fais un petit signe de tête à Engla pour la remercier et on y va. Enfin, moi, j'y vais. Très bien. Vous êtes sur le pas de la porte, vous êtes en train de monter avec tous les gens. Vous montez un petit peu d'eau à la porte, hein, d'ailleurs, parce qu'on ne sait jamais. Il pourrait y avoir une attaque qui vienne de la rue. Et vous voyez du bas, débouler au pas de course, à la charge, 4 cavaliers sur leur monture. Qui sont en train de charger l'épée en avant et la lance pour d'autres en direction des Raoulres qui sont au nord. Tu les reconnais, toi, peut-être, Théodoric? C'est un ordre de chevalerie, certainement, des nobles, des fils de nobles, des premiers-nés qui ont certainement pris les armes et qui viennent là pour défendre Talabain. Mais vous rentrez dans le temple. Moi, je suis pas forcément rentrée. Hein. Je suis toujours sur le pas de la porte et je sais pas. J'attends de voir ce qui se passe. Ok, bah tu vois ça. Et puis si t'attends, tu vas voir la scène évoluer petit à petit. Tu fais ça? Oui. Les autres? Moi, je suis toujours à ma meurtrière, ouais. Et si je vois qu'il y a des rats trop gênants, je vais décocher une flèche pour tenter de les abattre, mais voilà. Ouais, pour l'instant, ils sont pas en train de trop s'approcher, là. Non, ouais. Oui, mais si je vois qu'ils sont en train d'attaquer des civils qui tenteraient encore d'entrer ou ce genre de choses, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Pour l'instant, tu ne vois pas ça. Théodoric, toi, t'es rentré dedans. Tu trépignes, tu fais quoi? Non, moi, j'ai dit que j'étais rentré. Oui, mais tu fais quoi quand t'es dedans? T'attends, je veux dire, comme Engla? J'attends que tout le monde soit rentré, et après je demande à ce qu'on m'aide à fermer les portes et à les barricader. Ah, mais ça veut dire qu'on ferme Engla dehors? Tu veux barricader alors qu'Engla est encore devant. Mais non, je croyais qu'elle rentrait. Putain, décidément, j'ai du mal aujourd'hui, désolé. Si Engla est devant, je l'appelle et je lui dis de rentrer. Engla, rentre! On va se barricader! Ça sert à rien de rester dehors! Mais il y a encore plein de gens qui se battent, là. Ils sont pas venus, je leur ai dit de venir. Ça sert à quoi s'ils viennent pas?
C'est complètement idiot de se battre devant sur les marches alors qu'on a un temps pour se barricader. On est en position de défenseur. Je ressors, je me mets à côté d'Engla et en haut des escaliers et une dernière fois, je sais pas si je peux, je retente. Ça sert à rien de rester combattre sur les marches. On n'a pas de protection, on est en surnombre. Venez défendre dans le temple. Okay, je lève mon bouclier. Je tape sur le bouclier, c'est avec l'épée. Où je dis, t'as un marteau, Engla, il me semble. Oui, tout à fait. Je prends mon bouclier, je te dis de taper dessus avec ton marteau, c'est pour faire. Elle va te coucher au sol. Va pas dinguer. T'as passé par-dessus le parapet. Essayez de taper doucement. Je ne te veux pas de mal à la base. Je tire la langue quand tu fais ça pour te concentrer sur le doucement. C'est ça. Vu la beauté du geste, je te laisse refaire un jet avec un plus 30 encore. Sachant qu'au-dessus de toi, il y a également les cloches du temple qui sonnent, le regroupement. Bon, ils bougent ou pas, les gens? Et t'as lancé ou pas? Oui. Mais attends, mais je dois pas entendre tout ce que vous dites parce que je loupe des trucs là, c'est pas normal. C'est la musique? C'est peut-être la musique qui est un peu forte, hein. Je vais régler attends, ça. Je vais changer de musique. Je vais mettre une musique un peu moins. Non, mais c'est moi, mon volume était trop fort. Je retente commandement? Ouais, avec un bonus de 30, puisque, comme je disais, c'est Engla qui est en train de taper sur ton bouclier. Ok. Allez, go. J'ai pas vu le résultat. Oui, okay. C'est bien. Ouais, c'est bon, enfin. Joli. Très bien. Et ben là, tu as. Il se passe que les Raog ont un peu avancé dans cette promenade des dieux. D'ailleurs, je vais replacer Caron ici. Et tu regardes, tu jettes un coup d'œil, les cavaliers en ont couché un deuxième. Et tu sais pas comment, il y en a plus qui ont l'air debout, là, de ces Raog. Et il y a un cavalier qui est en train de revenir... et qui est monté sur son cheval, qui soulève sa visière, et puis qui crie à la cantonade « La comtesse! Est-ce que vous avez vu la comtesse ?» Et personne n'a l'air de répondre. « Ils ont attaqué le grand manoir, ils l'ont capturé, on a essayé de les suivre, mais on les a perdus !» Au moment où il dit ça, toi t'es en train de dire « Vite, rentrez, il faut qu'on défende le temple de Sigmar !» Vous entendez une explosion. Et le cavalier qui était en train de vous parler s'effondre de son cheval. Sur son armure, vous voyez comme un espèce de petit nuage de poussière verdâtre. Comme si c'était pris une bille de fronde, mais de malpierre, quoi. Et l'homme tombe à la renverse, le cheval se cabre, hennit, part en courant, et tout le monde... qui était en bas en train d'écouter à la fois le cavalier d'essayer de lui répondre et toi-même en train d'entendre ton appel, rentre la tête dans les épaules et instinctivement se met à monter les marches 4 à 4 et rejoint l'intérieur du temple. Rejoigne l'intérieur du temple. Ordre est donné de fermer les portes, je suppose. Oui, je pense même qu'ils vont le faire naturellement. Vous qui êtes aux meurtrières, là, frère Léo et Caron, oui. Vous voyez toujours que même si les Raog sont plus l'air debout, eh bien, il arrive continuellement des Skaven. À la fois du côté de Fort Schwartz et à la fois du côté du quartier de la Loi. Ils sont partout! Appuyez. Ça passe dans une meurtrière, un Skaven? Non, je crois pas. Je pense on va les tirer de toute façon. Non, c'est des. Ils sont pas aussi petits que ça. Ouais, une meurtrière, ça fait 20 cm en soi de large. Ouais, pas... ouais, mais les petits rats, tu vois. Ils pourraient vous jeter des petits rats à l'intérieur. Peut-être que s'ils écrasent leur torse en passant. Quoi qu'il en soit, vous êtes finalement assez protégé à l'intérieur de ce temple.
Et je vais me permettre d'arrêter la musique de combat parce que vous vous rendez compte que si les Skaven envahissent effectivement la promenade des dieux, ben, ils semblent éviter également et instinctivement de s'approcher trop près du temple de Sigmar. Est-ce que c'est parce qu'il y en a certains d'entre vous qui leur balancent des flèches ou des carreaux d'arbalète, ça vous savez pas? Mais ils se regroupent, mais plus loin. Ils se regroupent à 100 mètres, ils se regroupent... ils viennent pas se fracasser contre les portes, en tout cas. Ok, je vais gueuler en voyant ça. Ils préparent quelque chose? Ils sont en train de se regrouper? Je vais vraiment rester focus sur les mouvements. Est-ce qu'il y a un... Je sais pas, peut-être un Skaven qui semble donner des ordres en fait, ou est-ce qu'ils agissent tous de concert sans meneur? Tu as vu qu'il y avait des petits Skaven qui donnaient des ordres à Ogre, ça tu l'as vu. Oui, oui. Mais t'as pas vu de. Non, tu n'as pas vu de. Je sais pas moi, de capitaine ou de leader ou de choses comme ça. D'accord. Ça a l'air d'être une meute en fait, avec un esprit de meute, un esprit d'essaim quoi, tu vois. Voyant qu'il s'approche pas trop pour l'instant, je vais jeter un œil au civil, moi, et voir s'il y en a un qui est blessé, qui a besoin d'aide. Ou... Ah, effectivement, tu peux trouver des gens qui ont besoin d'aide. Enfin, tu sauras pas les soigner, en tout cas, mais tu peux aller donner à boire ou quelque chose comme ça. Tout à Donc, fait. Je vais alerter sur les blessés, faire le tour en fait et dire là ici il y en a un qui s'est fait mordre, celui-là il s'est fait empaler. Ok, bah la chance que tu as c'est qu'effectivement avec vous en plus il y a des chaléennes, donc c'est assez facile d'aider de ce côté-là. C'est-à-dire toi tu veux aider ceux qui sont dans le besoin, tu peux les pointer aux chaléens, aux chaléennes. Vous voyez pas d'obleur? Merde. Théodoric, toi tu... Pardon, vas-y. Est-ce qu'il y a... Il n'y a pas d'obleur, mais est-ce qu'il y a d'autres docteurs ou genre tous les apothicaires slash docteurs ont disparu? Tu vois des chaléens... Bref, tu saurais pas, mais il y a des gens qui sont en train de faire la même chose que des chaléens, mais tu sais pas si c'est des docteurs ou pas, quoi. Ok. Oui, je connais pas tout le monde non plus, effectivement. Les deux Théo Léo, là, vous faites quoi? Moi, je vais aller à l'armurerie chercher un carquois et des flèches. Très bien, bah, c'est tout à fait possible. Tu vois que dans l'armurerie, ça a été assez dévalisé, hein, il reste plus grand-chose. Mais des flèches, ça, ils en ont. Ouais. Et Théodoric? Pour l'instant, je fais pas grand-chose. J'essaye de voir les gens, ce qu'ils font et... Tu vois, organiser un peu tout ça, quoi. Ouais, bah tu te rends compte encore une fois, et peut-être que ça te titille, mais il n'y a pas vraiment de leader de votre côté, quoi. Il n'y a pas de haut prêtre, il n'y a pas de capitaine, il n'y a pas de tête dirigeante, quoi. C'est pour ça, enfin, dans ce cas-là, ce que j'essaie de... On est bien barricadé dans le temple, là, on est d'accord? Oui, tout à fait. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver... D'un coup d'œil, j'essaie de voir ceux qui ont l'air un petit peu plus braves ou plus aguerris. Enfin, j'essaie de les identifier autant que faire se peut. Et je forme des petits groupes pour se poster à différents endroits du temple où il y a des meurtrières et des choses comme ça. Pour qu'on puisse surveiller toutes les arrivées. Et puis, j'essaie de faire en sorte qu'on prépare des barricades devant les différentes entrées. Que tout le monde s'arme, qu'on rassemble toutes les armes si besoin, qu'on équipe les gens qui peuvent se battre, même parmi les civils, tu vois. Organiser quelque chose comme ça. D'accord, l'objectif c'est quoi? C'est de prévoir une sortie ou de prévoir un accueil si jamais ils rentrent dedans? Non, là, vu l'état des lieux dehors, c'est pas trop de prévoir une sortie. Là, c'est d'organiser la défense pour l'instant. Ouais, donc tu mets même des barricades à l'intérieur du temple pour... des replis, peut-être, s'il y a besoin, s'ils entrent à l'intérieur, etc. Pour l'instant, c'est l'idée, ouais. Ok, très bien. Bon, vous avez tous
un peu expliquer comment vous voyez la chose. Ce qui va se passer, c'est que vous allez faire ça, vous allez être laissé tranquille, en fait, pendant une bonne heure. Jusqu'à ce que l'un des deux postés aux meurtrières, là, certainement Caron, tu te rends compte que il y a un mouvement parmi les Skaven qui est pas anodin. C'est-à-dire qu'ils étaient là en train d'attendre, ils étaient regroupés, ils tournaient autour, mais là, il y a une partie des Skaven qui est en train de s'aplatir au sol. Comme si il courbait les chines face à quelque chose. Et tu vois qu'il fend cette foule de Skaven à un autre Skaven, mais très différent de ceux que tu aurais pu voir jusqu'à présent. Un Skaven qui porte sur son corps une espèce d'attirail mécanique. Il a sur le visage une espèce de casque intégral d'où sort un tuyau qui vient se brancher derrière son dos. Tu remarques également qu'il a de tout son barda mécanique des espèces de petits tuyaux qui viennent pénétrer sa chair, son corps, comme s'il était relié directement à la machine qui porte sur le dos. Et les Skaven autour, les petits, sont en train de s'aplatir devant lui alors qu'il marche en direction du temple de Sigmar. Ok. Dès que je vais voir ça, dès que ça, la scène commence, hein, que je commence à voir ce Skaven arriver, je voudrais pas le crier pour pas non plus créer un vent de panique ou même que les rats puissent m'entendre. Mais je vais passer le mot à mon voisin en chuchotant, en disant... Là-bas, regarde, il y en a un qui est différent des autres. Et en espérant qu'il relaie le mot lui-même à côté, que ça fasse un petit peu le tour de tous ceux qui sont aux meurtrières. Et je vais bander mon arc en prévision du moindre mouvement suspect de ce Skaven, à défaut d'être un Skaven, c'est déjà pas suspect. Bah, tu vois que tu vas devoir changer en fait petit à petit de meurtrière en meurtrière parce que... Pour le suivre. Ouais, c'est ça. Tu vas voir qu'il va se diriger et tu vas le comprendre plus en plus et tu vas me dire si à un moment tu réagis. Il se dirige vers la face principale du temple. Devant la porte en gros, c'est ça ? Devant la porte. On va la faire péter. Okay, vous les autres, vous entendez cette rumeur là, il y a un Skaven bizarre, et... qu'est-ce qu'on fait ? S'éloigner de la porte. On a mis les barricades. Moi, je pense que je dis, ouais, il faut s'éloigner, vous avez raison, on s'éloigne de la porte, mais on se met en position. J'essaie de regrouper tous les gens qui ont des armes de jet ou des armes à distance, et on se met peut-être derrière un deuxième niveau de barricade pour pouvoir aligner tout ce qui rentrerait. Ok. Et moi, du coup, pardon, mais juste, je finis avec ça. Quand il s'approche à 1 mètre des marches du temple, je décoche une flèche. Alors, il va pas s'approcher à 1 mètre. Quand il s'approche près du temple, que je vois qu'il est vraiment proche de l'entrée, à distance d'arc, en fait, hein, tout simplement, je décoche une flèche. Quand il est plus près, tu te rends compte que le mécanisme dans son dos, là, semble vibrer. D'une certaine, je ne saurais pas comment le décrire, mais aura, soit magique, soit quelque chose. On pourrait dire électrique, si on avait inventé l'électricité. Ça semble vibrer, ça semble parcouru d'espèces d'arcs, comme un éclair, tu vois. Okay. Tu remarques ça. Tu essayes de lui tirer dessus. Alors ouais. Qu'il est assez loin. Il y a d'autres personnes autour de toi qui vont essayer de faire pareil. Je peux te laisser faire un jet, on ne sait jamais, avec un coup de chance. Vu qu'il est assez loin. C'est encourageant. Vu qu'il est assez loin, justement, tu vas prendre un tout petit malus. Tell me. De 10. Alright. Let's go. Ah. Joli. Très très joli.
T'as pas fait. Ouais, lance un des 10, hein, parce que tu as les dégâts à calculer, hein, je te rappelle. Ah oui, j'ai pas ajouté l'objet arc, donc j'ai pas. C'est pas grave. Fais tout ça, désolé. Oh. Bien. Eh bien, tu tires en désespoir de cause, parce que tu sais que c'est assez loin, c'est porté assez longue là. Et étonnamment. Ouh. Peut-être Sigmar a-t-il guidé ta flèche. Elle vient se planter dans le. Ouais, voilà. Dans le Skaven, qui ne bronche pas. Tu vois qu'il n'a même pas une réaction, il a peut-être juste un mouvement de recul parce qu'il y a eu un impact, tu vois. Mais il s'effondre pas au sol, et il couine pas, il ne gémit pas. Tu t'attendais à une autre réaction, ça te fait froid dans le dos, certainement. De voir que si t'aurais tiré sur un mannequin en paille, ça aurait été pareil en fait. Ok. Et par contre, lui, quand il reçoit la flèche, tu vois qu'il pointe dans ta direction son. Je me mets à couvert le direct. Prolongement de son bras, voilà. Et puis tu te mets à couvert tout de suite. Si je vois que ses yeux croisent les miens, ouais. Alors non, t'es derrière une meurtrière, donc il croisera pas tes yeux, mais tu vois qu'il te regarde dans ta direction. Et tu te mets à couvert, t'as les hommes autour de toi qui te regardent un peu bizarrement. Et vous entendez tous une énorme explosion. Et un éclair bleuté vient frapper la meurtrière derrière laquelle Caron était cachée. Tu vas me lancer un petit D10, s'il te plaît. On va voir si tu prends quelques dégâts. Ouf. Quoi, tu enchaînes les gros dés? Ah oui. Tu peux absorber avec ton endurance, hein, et ton armure. Tu prends des pierres sur la gueule. C'est pas l'éclair, hein, qui t'a frappé, mais il y a un trou. Ouais. Il y a un trou à l'étage là dans le mur du temple de Sigmar. Les autres, vous avez tous entendu cette explosion. Vous avez tous entendu le bruit, le fracas des pierres. Peut-être un gémissement de Caron. Faut voir. Je vais juste accuser un léger cri de douleur assez sourd alors que les pierres et le griffent mon visage. Et je vais hurler tout de suite derrière. Ils ont des explosifs, attention! Celui qui est devant a des explosifs! Protégez-vous derrière les barricades! Est-ce qu'on peut l'atteindre, Caron? Est-ce qu'on peut l'atteindre avec des flèches ou des carreaux? Oui, on peut lui tirer dessus, mais ça semble rien lui faire! C'est pas possible. Il faut y aller en volée de flèches. En position, je prends quelques gars, quelques bons tireurs, et je vais en direction de Caron, là où il était, et on essaie de trouver plusieurs entrées où on peut aligner simultanément le Skaven concerné. Bah, s'il y a un trou maintenant... Ouais, il est à portée à travers ce trou-là ou... Il y a plus de place. Portée longue, hein, comme j'ai dit à Caron tout à l'heure, il n'a pas avancé. Vous voyez qu'il a une certaine, lui, il a une certaine portée, une certaine allonge. Il est toujours, c'est touchable. Hein. Caron te dit qu'il l'a touché. Et il est très protégé autour de lui ou pas? Ah, tu vois qu'il y a des scaven autour de lui. Il y en a qui semblent monter la garde en fait, effectivement. Mais la plupart des scaven sont des petits scaven marrons qui sont en train de s'aplatir plutôt autour de lui qu'autre chose. Ils sont fébriles, tu les vois tremblants, quoi. Il faut organiser une formation. On prend quelques volontaires et on avance. Sinon, ils vont nous tirer comme des lapins avec leurs explosifs. On se fait en formation bouclier avec des arbalétriers à l'intérieur de la formation. Et on s'approche et on tire jusqu'à ce qu'on arrive au corps à corps. Putain, tu veux sortir, Théo, vraiment? On n'a pas le choix, sinon on va se faire aligner. Ils vont simplement tirer à l'intérieur et détruire complètement le temple. On n'aura plus moyen de se protéger. Oh, de ce putain. Qu'on voit, de toute façon, il est... Bah là, de ce que tu vois, vu que t'es monté après Caron, et après qu'il ait fait exploser une partie de l'étage, là, tu vois que, quand tu le regardes, il est tout simplement en train de viser la porte avec son mécanisme, son engin. Faut tirer d'en haut, hein, déjà. Ouais, mais vu que ça lui fait rien,
C'est Caron qui t'a dit que ça lui faisait rien, tu sais pas. Ouais, mais une, peut-être, ça lui a rien fait, mais si vous en tirez plusieurs, là. Enfin, moi, je sais pas si je suis là ou pas, j'en sais rien. Là, c'est à toi de décider. Bon, oui, tu peux être avec, hein. Mais c'est à toi de décider, Théodoric, tu vois qu'il est en train de pointer son bâton, on va appeler ça comme ça, qui est en train de grésiller avec des éclairs autour, des éclairs bleutés, t'as jamais vu ça de ta vie, comme si il est en train de bander son arc, en fait, en direction de la porte, si tu veux. Et tu vois la flèche dans son corps, hein. Je suis pas con aussi. Ah oui, oui, bien sûr, voilà. Tout à fait. Bon, enfin, non, alors ce que je fais, c'est que je dis aux arbalétriers, à ceux qui veulent tirer dessus, de se positionner là où Caron est, et je te dis, Caron, guide les arbalétriers et les archers, vous le criblez de flèches autant que faire se peut, je vais préparer une formation en bas au cas où il rentrerait. Et en fait, moi je redescends, et je vais préparer une formation pour les accueillir, si jamais ils réussissent à péter la porte. On se tient éloigné quand même de la porte, hein, au cas où elle explose. Mais voilà, je laisse la responsabilité à Caron de gérer les tireurs pour l'aligner en espérant que on ait le temps, quoi. Alors t'es monté, t'es redescendu, tu t'es mis en bas. Quand vous arrivez en bas, quand Engla vient un peu aux nouvelles, qu'est-ce qui se passe, Théodoric? Vous avez à peine le temps de vous remettre derrière les barricades que toi, Caron, d'en haut, tu vois un autre éclair qui vient frapper cette fois-ci la porte du temple. La porte du temple qui vole en éclats vers l'intérieur. Il y a des planches de bois qui sont projetées sur les 60 mètres de long du temple, qui sont projetées jusqu'au bout, qui viennent se ficher dans un vitrail, qui viennent rebondir contre la statue de Sigmar. Tout le monde est la tête dans les épaules, il y en a qui se bouchent les oreilles, il y a des civils qui hurlent, toi Engla, tu les entends. Et en haut, quand cette porte vient à exploser, Caron, tu les vois se relever, tous les petits scaven marrons là. Tirez sur les scaven, tirez sur les scaven, c'est qu'un bélier celui-là, tirez sur les scaven. Et ils se lancent à l'assaut du temple. Putain, les coups de malade, désolé. Je saisis mon marteau, et je regarde quand même au sol s'il y a une trappe. J'ai peut-être vaguement pu entendre parler d'un sous-sol tout à l'heure. Si tu poses la question, parce que tu le verras pas, il n'y a pas vraiment de trappe, on te dit qu'il y a un escalier qui descend, mais on va dire que tu l'as su un peu avant, quoi, tu vois. Ok, mais tu c'est un escalier, c'est pas... Oui, c'est un escalier. C'est pas une pour trappe... Descendre... Non, c'est pour descendre aux réserves, quoi. Avec une porte? L'escalier n'a pas de porte visible, en tout cas, à ce niveau-là. Ok. Les premiers scavens commencent à rentrer dans le temple. Je vais quand même dire au civil de reculer et je vais attraper mon marteau à deux mains et je me tiens prête à balayer ce qui rentre. Je vais vous demander un jet de perception. On tire d'en haut quand même. Tu peux tirer d'en haut, tout à fait, oui, bien sûr. Oui. Mais alors, tu sais, ils sont 50, 100, 200, donc je vais considérer que t'en embroches, hein, clairement. Mais je vais demander un jet de perception à Théodoric. Et je vais demander à Engla de me répéter juste ce qu'elle a dit qu'elle faisait avec cette porte, enfin avec cet escalier qui descend, parce que j'étais focalisé sur autre chose. En fait, j'imagine que c'est un coin reculé dans le temple, mais peut-être que je me trompe. Non, oui, c'est pas l'entrée vers les réserves et pas en plein milieu du temple, t'as raison. Okay. Donc je vais dire aux civils d'aller par là-bas, je vais leur indiquer la direction et je vais leur dire de se reculer là-bas et moi je vais attraper mon marteau et me tenir prête à l'entrée. D'accord, mais tu les accompagnes pas, d'accord. Okay. Non. Donc tu aurais pu toi aussi faire un jet de perception du coup, mais c'est pas très utile. Théodoric, tu te rends compte que les premiers scaven qui rentrent, hormis le fait qu'il y en a certains qui se sont fait à moitié fléchés par tous ceux qui sont en haut, quand ils rentrent dans le temple de Sigmar, là, même s'ils rentrent en courant, frénétique, l'arme à la main et tout, tu vois que les premiers, en tout cas, ont un mouvement de recul quand ils rentrent dans ce lieu saint, on va dire. Ils ont l'air très, très apeurés quand même. Ok. Ce que je fais, c'est que normalement, j'avais quand même organisé une formation pour la réceptionner. Je le dis, en fait, je le hurle. Regardez, ils ont peur dans la sainte demeure de Sigmar. Les dieux veillent sur nous. Et je propose que je pousse un cri de guerre
et je propose, tout en maintenant la formation autant que faire se peut, qu'on avance sur eux, en fait, pour vraiment les intimider, et on les embrosse tout en restant en formation. J'essaie de maintenir vraiment la soldatesque groupée. Ok, très bien. Donc tu essayes de les repousser le, oui. Le flot de Skaven, très bien. Exactement. Toi, frère Léo, t'es en haut, toujours ? Ouais. Tu tires sur... Sur quoi ? Tu tires sur les petits Skaven qui essayent de rentrer ? T'essayes de tirer sur... Ouais. Ouais, ok. Par la couée, ouais. Tu vois toujours le Skaven bizarre avec son attirail, là, qui est en train de... T'as l'impression superviser la bataille. Ah bon, bah je vais essayer de lui tirer dessus, à lui, alors. Sur lui ? Ok, très bien. Ouais. Tu peux. T'as un malus de moins de 10 seulement, avec ton arc. Alors, attends. C'est ça, là, là. J'ai pas d'arc. C'était, hein, c'est pas grave, tu fais CT. Ah bah c'est raté. Oh, bah, okay, voilà. Tu tires, ça touche un Skaven à côté. C'est pas... T'en as tué un quand même, ils sont tellement nombreux. Toi, Engla, t'es toujours en bas. T'accompagnes Théodoric vers la porte d'entrée, oui, c'est fait. Ça. Vous êtes en train de... Vous êtes déjà au corps à corps avec des Skaven, là, clairement. Mais que ce soit la sainteté du lieu ou la faiblesse de leur compétence martiale, pour l'instant, en tout cas, vous avez largement le dessus. Ok. Toi, Caron, tu es toujours en haut, sous les décombres. Pas dessous, a priori, mais je suis toujours en haut, effectivement. Mais dès que les Skaven ont brisé la porte, je me mets dos au mur. Je reste pas en face d'une meurtrière et je commence à tirer sur ceux qui sont déjà rentrés pour appuyer l'offensive de Théodoric et d'Engla qui se met en place. Bah, d'en haut, en fait, tu tires par-dessus la main courante, là, enfin la barrière, quoi, je sais pas comment t'appelles ça, la mezzanine, et tu tires dans l'entrée, dans l'enceinte du temple. Okay, très c'est bien. Ça. Je vais vous demander à chacun un petit dé, 100. Histoire de voir comment tourne la bataille. Parce que, encore une fois, on va pas faire de la micro-gestion contre 200 Skaven, ce serait compliqué. Oh, top la madame. C'est rigolo, ça. 20, 20, 46. Chips de dés. S'il fait 46 aussi. Ouh, 2. Très très bien. Parfait. Eh bien, ce sont de très beaux jets. Je vais vous laisser la main là pour la bataille contre. La bataille pour le temple de Sigmar. Parce que, eh bien, j'aime beaucoup le jet de Théodoric là. 2. Il va nous expliquer comment il arrive à repousser les Skaven. Bah écoute, ça va plutôt être un effort commun en fait. Je vais plutôt organiser les gens qui veulent se joignent à la formation et à la stratégie que j'essaie de mettre en place, un peu comme faisaient les mercenaires avec qui j'étais par le passé, avant qu'ils retournent en Tilé. Et j'essaie d'imiter un peu la technique de Myrmidia avec un mur de bouclier, et en même temps, on casse un peu la formation pour finalement se retrouver à encercler partiellement les attaquants, en fait. C'est une stratégie comme ça. Et on arrive à les repousser, leur faire perdre du terrain, à les acculer un petit peu contre l'entrée elle-même. Et à les prendre en étau. Tu vas réussir à leur faire quitter le pavage du sol du temple de Sigmar, à les repousser. Il n'y aura plus un seul Skaven vivant, en tout cas, à l'intérieur. Engla, toi, tu l'accompagnes. Est-ce que il va se passer quelque chose dans cette bataille que tu veux nous décrire ? Je vais jouer du marteau, comme à mon habitude. Mais non, rien d'épique cette fois. Je crois qu'Engla commence à avoir sacrément mal au bras. Ok. À force de jouer du marteau depuis plusieurs heures, donc juste se concentrer sur ce qui rentre et asséner des coups de marteau dès qu'elle peut. Parfait. Bon, vous avez quand même un beau tableau de chasse à votre actif. Toi, Caron, t'es toujours en haut. Tu tirais vers l'intérieur, tu te rends compte qu'il n'y a plus personne au bout d'un moment.
Je te laisse également me décrire quelque chose en plus que tu voudrais rajouter à cette bataille du temple de Sigmar. Eh bien, malgré que je ne sois pas clairement un archer-elfe, les quelques flèches qui ont fait mouche ont quand même permis d'éviter qu'ils soient trop nombreux à l'intérieur. Et certains cadavres qui étaient tombés devant la porte ont permis aussi de bloquer le passage à d'autres scavens qui auraient voulu rentrer. Et comme l'a dit Théodoric, c'est bien nos efforts combinés qui ont fait que cette bataille a penché en notre faveur. Parfait. Et toi, frère Léo, qui scrutait ce Skaven qui semblait donner des ordres dans la bataille, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou tenter quelque chose ? Tenter quelque chose, je retenterais bien de me le faire, mais... Et tu peux essayer, hein, je t'en prie. Non, je n'ai rien à ajouter. Moi, j'ai tiré sur ceux qui étaient à l'extérieur. J'observe surtout ce qui se passe à l'extérieur. Parce que je subodore un coup fourré. Ce que tu remarques à l'extérieur, c'est que quand les... J'allais dire les Myrmidiens. Quand les soldats à l'intérieur du temple menés par Théodoric ont repoussé les Skaven qui étaient rentrés à l'intérieur, le Skaven avec son arc électrique là, s'est agité. Commençant à gesticuler dans tous les sens, frappant de droite et de gauche à la fois ses sbires et les petits Skaven marrons qui sont à côté, semblant s'énerver un petit peu. Bon, tu te rends compte qu'il se rend lui-même compte que la bataille, là, va être compliquée. Je le dis à Caron, et puis j'essaye de le dire par-dessus la rambarde à Théo et à Engla en bas. Okay. Il est en train de s'énerver et je vais peut-être essayer de le remanier. Tu peux essayer. Tu vois que tu as une seule et unique chance parce que il est déjà en train de s'enfuir. Ah, d'accord. Bon, moi j'essaye. Oh. Oh yes. Tu me lances un dé de 10. Alors, un. Ça fait 6 et 2, 8. Très bien. Bah écoute, tu arrives à lui enfoncer une flèche dans le dos là pendant qu'il est en train de s'enfuir. Et tu vois qu'il trébuche. Tu sais pas dans quel état il est. Mais ouais. Tu vois qu'il est tout de suite attrapé manu militari par deux Skaven qui semblaient l'escorter. Et qu'il est emmené. En tout cas, tu vois pas s'il est vivant ou pas. Ouais. Tu vois, il le traîne, en fait. Oui, oui, oui. Tu vois ça. L'aide. Ouais. Sa queue qui traîne derrière, sur le sol. Ah, et Caron, il est tombé, quand même. Oui, je vois ça. Le résultat de cette bataille du temple de Sigmar, là, c'est que vous allez vous retrouver... dans une promenade des dieux, complètement vide de tout assaillant. Il y a des corps de Skaven partout, des corps d'humains, de soldats, de gardes, de civils, partout. Mais il semble que les hommes rats, là, aient débarrassé le plancher. C'était reculé pour mieux sauter, à mon avis. Le temple de Sigmar va être difficile à défendre. Il n'a plus de porte, il a un trou béant au niveau du premier étage. Mais il est encore là. Et il tient debout. Pas comme la plupart des bâtiments autour, qui ont en grande majorité été en partie défoncés. Ça vaut également pour les autres temples. Le temple de mort ? Il est un peu loin pour que tu le vois, mais il y a une partie également qui a été abîmée. Alors le temple de mort, tu sais que c'est en sous-sol, donc tu sais pas trop. Mais
effectivement, il a subi des dégâts. On est en plein milieu de la nuit. Et les gens sont un petit peu perdus autour de vous. Moi, je serais... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je serais pour... peut-être pour faire sortir les gens vers... vers les champs, à l'extérieur, non ? Alors, on... Enfin, on abandonne la ville, c'est ça, de toute façon. Bah, non, mais au moins les civils qu'il y a dans le temple, là. Il y a bien des civils. Oui, il y a quelques-uns, oui, tout à fait. Au moins, les escorter et peut-être les faire passer par la porte en haut, si... si on a des gardes qui ont les clés, encore, par là. De toute façon, à quoi ça sert de rester là ? Regarde ce qui reste de la ville. À la prochaine attaque, on fait quoi, là ? Là, on peut pas défendre le temple de Sigmar, il est ouvert. On peut même plus défendre la ville est ouverte. Et la ville, elle est débordée. Il faut... Il faut faire sortir les civils, tu as raison, oui, mais oui. En fait, il faut qu'on sorte de cet endroit, il faut qu'on quitte Talabaim. Cette ville est perdue. Des raogres. J'en avais juste entendu parler par des légendes alors que je baladais des gens en bateau. Et là, ils sont dans la ville. Je comprends pas qu'est-ce qu'ils veulent, en fait. Ils voulaient la comtesse, apparemment. Quoi qu'il en soit, il faut mettre en sécurité tous ces gens. Bah oui, il faut les escorter vers le nord là et les faire sortir. Je pense que ils passeront la nuit dans les champs. Bah ils vont bien, il y a bien des fermes et des endroits, des villages où on pourra les accueillir. C'est des réfugiés quoi. Peut-être bien encore de fermes ou deux, mais des villages non. Il y a que Talabaim, je crois, dans le cratère. Non, il y a des villages. Il y a quelques petits villages. Hein, pas des grands, c'est pas des grands rassemblements d'habitants, mais oui, il y a des petits hameaux, quoi. De toute façon, il faut, prendre des armes, rassembler. Le problème, c'est que si on sort, bon, les gens, c'est sûr, il faut les amener ailleurs, mais le problème, c'est que si on sort de Talabaim, tous, vu qu'il y a des murailles et tout, on pourra jamais la reprendre. Cette attaque, qui a lancé cette attaque ? Les Skaven, mais qui ? Bah, il y a des humains dans le coup, ça c'est clair. On sait, enfin, il y a au moins la nécromancienne déjà. La chirurgienne folle, là, celle qui, qui recoud des membres sur des corps morts. On a trouvé sa maison un peu plus bas. Mmh. Oui, c'était épouvantable, diabolique. Peut-être même nécromancienne que les autorités recherchent depuis quelque temps, et nous aussi, et qui ne donne pas de signe de vie. Bon, elle a dû se réfugier avec ses acolytes sous terre à tous les coups. Il y a deux solutions de toute façon, soit fuir ce qui reste de Talabaim, ou soit descendre pour faire un assaut dans les égouts, mais à 100 personnes, qu'est-ce qu'on va faire ? Où est-ce qu'on irait dans les égouts ? De toute façon, cette ville fait des centaines de kilomètres ou je ne sais quoi, et dessous, ça doit être encore plus grand. On ne sait même pas où frapper. Est-ce qu'on va retourner, errer dans les égouts ? Eh ben alors, on s'en va. Vous décidez de regrouper les civils, les rares combattants encore sur pied. Mmh. Et... Bah, tous les combattants sur pied, moi à mon avis, enfin à moins que les Sigmarites veuillent pas quitter le temple de Sigmar, mais... Et c'est quoi, direction le cratère en fait, l'intérieur du cratère, c'est ça ? Oui, bah on va essayer de passer par la porte du nord là, de la promenade des dieux, là il y a une porte là. Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible si tout le monde est d'accord avec ça. Mmh. Oui, oui. Oui, Kiron, et le peu de phrases qu'il dit, les, les,
L'espoir a totalement quitté ses yeux. Hein. Il y a plus aucune petite bulle qui pétille à l'intérieur de son regard. Le plus souvent, je baisse la tête. De temps en temps, je la secoue de gauche à droite. Et j'ai une attitude clairement molle et déprimée. Il n'y a vraiment aucun responsable du temple de Sigmar, là. On peut pas... Toujours pas. Non. C'est que des initiés, grosso modo, hein, qui se demandent, hein, eux aussi, où va leur allégeance, entre guillemets, quoi. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils devraient faire. Ils demandent conseil à toi et à Théodoric, qui a su les mener tout à l'heure. On va essayer de... On va escorter, si tant qu'il n'y a pas de scaven dans la promenade des dieux, on va escorter les civils vers l'extérieur. Histoire qu'il y en ait quand même qui survivent à ce massacre. Là, il est clair que les gens autour sont... Mais dépêchons-nous, ils vont peut-être revenir. Oui, on y va, allez. Donc je vais récupérer des flèches encore, je vais... Oui, bon, ça peut pas. Remplir le carquois. Théodoric, au niveau des Sigmarites, là, le discours que tu leur tiens, c'est quoi? C'est venez avec nous, fuyons la ville, pour une bonne raison? Là, principalement, ce que je leur dis, c'est qu'il faut nous aider à escorter les gens, et les civils. Ok, bah alors disons que vous êtes vers la porte maintenant, les Sigmarites... font passer les civils dans les prés, dans les champs, là-bas, vite, sortez, sortez, sortez. Et les Sigmarites, une fois fait, se tâtent, quoi. Ouais, bah moi d'accord. Aussi je me tâte, pour être honnête. Moi je sais pas quoi faire non plus, là. Tous les temples sont détruits. Enfin, ouais, ils sont là, pas détruits, c'est pas un tas de cendres, hein. Mais le temple d'Ulric, il est à moitié éventré, tu vois qu'il y a des prêtres d'Ulric qui sont morts sur les marches, etc. Et même si les temples sont encore debout, même s'il y a encore des bâtiments debout et des gens qui respirent, que ce que vous voulez qu'on fasse, je veux dire, tous les quartiers de la ville sont aux mains des Skaven, c'est impossible d'y circuler normalement. Chaque égout, chaque entrée souterraine leur permet de naviguer, d'apparaître de nulle part. Il y a une nécromancienne qui est en fuite et qu'on retrouvera jamais. Ils ont des explosifs, des sorciers ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de toute façon à part fuir? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous voulez vous battre? C'est quand précisément c'est désespéré qu'il faut continuer. Ils comptent sur notre désespoir. C'est pour ça qu'ils ont capitalisé sur une attaque surprise. Ils peuvent pas avoir tout pris. S'ils étaient aussi nombreux, s'ils étaient en contrôle de tout, s'ils pouvaient être en contrôle des égouts et de la surface en même temps, ils n'auraient pas orchestré tout ça. Ils auraient juste déferlé depuis longtemps, sans planifier, sans allier. C'est qu'ils peuvent pas tout couvrir. Il y a forcément encore des gendarmes qui sont répartis dans la ville. Il faut simplement se retrouver, se regrouper, trouver un endroit où on peut... lancer des attaques de guérilla ou quartier des nobles, par exemple, un endroit où on pense qu'ils ne sont pas encore très présents. Il doit y avoir d'autres corps d'armes qui se sont repliés quelque part pour mettre en place une résistance. Et si c'est pas le cas, il faut qu'on le fasse. À ce moment-là, on peut peut-être essayer de passer par le Talgarten pour aller au quartier Châtelain. On a essayé de faire ça dans le quartier des marchands avec Caron. Ça ne nous a pas vraiment aidé. Non, le quartier marchand, il est perdu corps et bien. Mais celui-là aussi. À la prochaine attaque, il n'y a plus rien pour les arrêter. Ah oui, la promenade des dieux, pour moi, il est perdu aussi. Peut-être au quartier Châtelain, il y en a qui résistent encore. Ils ont des hommes en armes au quartier Châtelain. Le manoir était en feu là-bas. Oui, mais le manoir. Mais s'ils cherchaient la comtesse, c'est normal, puisque la comtesse habite dans le manoir. Habite, c'est pas... Moi j'ai une question quand même, parce que là on est avec quelques guerriers qui étaient avec nous dans le temple, mais depuis que tout ça a commencé, toutes les forces, est-ce qu'on le sait, toutes les forces armées se sont pas faites exterminer, et elles ont pas fui, il y en a bien qui elles sont... étaient malades, la plupart. Oui, ouais. Donc il y a... Je pose une question au MJ là, vu que j'ai loupé quelques épisodes. Ouais, tu sais que les... Enfin, pour répondre à ta première question, tu sais qu'il y avait... assez peu de forces armées au niveau de l'armée parce que on est juste après la guerre contre Arcaon, donc les forces sont plus qu'elles étaient. Et tu sais que toi, par exemple, dans le guet, quoi, vous étiez assez nombreux, mais quand la première
attaque a eu lieu, vous avez perdu pas mal de monde dans le quartier marchand notamment. Quand la deuxième attaque a eu lieu, c'est-à-dire en début de cette soirée, là, vous étiez tous finalement à vos postes dans les différents quartiers de la ville, et toi t'as vu pas mal de tes camarades mourir en combat contre des Skaven dans le quartier de la Loi, par exemple, ou ailleurs. Mmh. Donc tu ne sais pas ce qu'il est advenu de ces patrouilles. Certainement qu'il y en a que certains d'entre eux ont réussi à survivre, bien sûr. Mais d'un autre côté, là où frère Léo a raison, c'est que tu sais qu'il y a une bonne moitié de tes camarades qui étaient... quartier Châtelain. Non, surtout malades, donc affaiblis. Oui. Affaibli. Et le reste est au quartier Châtelain, ça. Et dans le quartier Châtelain, tu sais, vous savez tous, on vous l'a dit, qu'ils défendaient principalement, le manoir. Et surtout, le grand manoir. Et Caron vous apprend que le grand manoir, il l'a vu en flammes. Ok. D'accord. Donc, ils sont tous morts aussi. Donc, il faut espérer qu'il reste qu'il y a d'autres personnes qui aient quitté et qui soient allées se réfugier dans les fermes ou autres et... On a voir si on peut mener une résistance de là, quoi. Et on va faire une guérilla ou ce genre de choses contre des créatures qui n'ont pas besoin de bouffer et de dormir. Qu'est-ce que tu veux faire, Caron ? On peut partir, mais il faudra de toute façon faire quelque chose, sauf si on abandonne la ville. Mais de toute façon, il faut à minima aller chercher de l'aide. Si on abandonne Talabeim, il faudra de toute façon qu'on parte et qu'on aille chercher des renforts ailleurs. Dans une autre ville, on peut pas laisser les Skaven prendre possession de cette ville fortifiée. Parce qu'après, ça sera tout le reste du pays qui aura un mal à partir avec eux. Putain. Ah bon ? Écoute, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va amener tout le monde. On va essayer de convaincre les Sigmarites de nous escorter. Je vais vous emmener à la ferme où j'ai laissé ma famille. Et de là-bas, on prendra des dispositions. Que cette ferme est dans le cratère ? Bah oui, mais de toute façon, il faut y passer. En tout cas, quoi qu'il arrive, moi, je vais y repasser. Mais peut-être que d'autres s'y sont réfugiés. Est-ce que toi et les hommes du guide avaient un moyen de communiquer, je sais pas, de vous envoyer des messages avec la fumée de longue distance, comme un rassemblement ou une alerte ou quelque chose comme ça? Pas vraiment, c'était prévu pour la ville, avec les cloches. On n'est pas du tout prévu pour surveiller dans les champs. Il n'y a aucun signal officiel. Et si on faisait sonner toutes les cloches de la ville, quel signal ça envoierait aux forces armées de la ville? Savoir, vous me venez de me dire que tout le quartier était... Ça ferait savoir qu'on est encore là. Mais encore faut-il qu'il y ait des forces pour entendre ces cloches. Peut-être qu'on pourrait faire sonner... Est-ce qu'il y a des cloches là où on est, justement? Les seules cloches, c'est celles du temple de Sigmar. Ouais. Elles ont sonné toute la nuit depuis l'invasion. Et elles se sont arrêtées quand vous avez tous quitté le temple. Ouais. Les oreilles enseignent encore. De toute façon, les gens vont devoir partir. Ils vont devoir quitter le cratère. Petite question, pardon. Le cratère, on peut le quitter ou pas ? Non. Non. La seule porte d'entrée du cratère, c'est la haute porte de Talabai. Il y a la porte qui passe dans la souricière aussi. Enfin, la porte, le tunnel qu'on a emprunté. Il y a les tunnels, les égouts. Mais enfin, bon, encore. Là, on peut pas y arriver. Sans mauvais jeu de mots, on est fait comme des rats, quoi. Ce qu'il y a, c'est que un plat sur son jet depuis un moment. Au niveau de l'échelle, le cratère doit être 40 fois plus grand que la ville de Talabai. Mm. Tu vois, je te remontre ça. Tu vois, Talabai, c'est juste la petite ville. Le reste. Il y a un lac, il y a une forêt énorme, il y a plusieurs petits villages, tu vois. La seule porte d'entrée, c'est vraiment le chemin du sorcier, là. Bon, il faut qu'on quitte Talabeim, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener tout le monde à la ferme, et après, il faut qu'on se regroupe et qu'on fasse tous les alentours de Talabeim, toutes les fermes, pour voir qui a pu s'y réfugier. Il y a forcément des gens qui sont partis. Des hommes d'armes, d'autres réfugiés. Même tous les villages du cratère, peut-être. Tous les villages. Il faut qu'on regroupe tout le monde.
Faut qu'on rallie tout le monde, tous les gens dans le cratère. C'est notre seul espoir, de toute façon, on pourra pas le quitter. Donc on réunit tout le monde et on assiège Talabaim. Je serai d'avis d'aller chercher un maximum d'armes dans le temple de Sigmar pour les amener. Autant qu'on peut emporter tous. On vient de le quitter là, le temple. Bah on est encore pas loin. Bah on peut faire ça. Si on a le temps, encore, on peut ou le faire. Ou dans le temple de... Qu'est-ce que c'est le temple qui est à côté là? Je me souviens plus. T'as Ulric à côté et il y a Myrmidia. Là, mais Myrmidia, tu vois que le temple, il a l'air complètement clos. Ah, il est pas abîmé lui? Il a pas l'air abîmé et surtout, il est hermétiquement fermé quoi. C'est... Il n'y a pas une fenêtre ouverte, c'est pas une porte ouverte. Ah bon? Ils l'ont pas du tout touché? On dirait. On sait pas s'il y a des soldats dedans ou... Non. Ah. Tu as parlé des Myrmidiens, Théo, toi? Oui, mais moi les Myrmidiens, c'est plus. C'est des gars qui sont plus là. Ah, ceux dont je parlais. C'était des mercenaires, ils sont rentrés chez eux. Ils ont fermé les portes. Bon, commençons à faire sortir les civils déjà. Ils sont tous en train de trembler là. Ils vous attendent dehors dans le froid là. On va les escorter. C'est de toute ça. Façon. Vous retournez pas au temple de. Comme ça a été proposé au temple de Sigmar. Hein, d'accord. Bon, voilà. On s'en va alors. Pour moi, vaut mieux voyager léger. C'est quelque chose que j'ai appris sur ma barque. Très bien. Je vais quand même garder mon marteau à la main le temps de la route. Oui, mais c'est sûr. Mais je me voyais mal commencer à monter 3 ou 4 calèches, chariots, et les charger d'armes, etc. Ah non, mais c'était d'emporter autant qu'on pouvait, mais après. J'ai une épée Madax, c'est tout ce que je peux porter. Je doute que les fermiers aient beaucoup d'armes, mais bon, ça va être compliqué de résister si on n'a pas d'armes. Ouais, après, est-ce qu'on va pouvoir en transporter tant que ça, si on n'a rien? C'est ça le truc, c'est que... Vous êtes là, un pied dedans, un pied dehors, là, qu'est-ce qu'on fait? Moi j'avance vers les champs. On sort. Très bien. Bon, je pense que les civils vont pas vouloir partir tout seuls, donc on va les suivre. Vous quittez Talabaim accompagné d'un petit nombre de soldats, prêtres, chaléens, chaléennes. Quand on sort, je vais me retourner quand même vers la porte de la ville et avoir un regard attristé, de laisser l'endroit comme ça, malgré que je vois pas d'autre solution. Mais effectivement, les paroles de Théodoric résonnent en moi en disant qu'on abandonne la ville et que c'est pas la meilleure chose à faire, mais on n'a pas d'autre choix. Donc je reste quelques minutes en arrière à contempler la ville. Tu la vois. Elle est parfois éclairée par les étoiles et la lune. Tu vois des volutes de fumée à certains endroits. Il y a dû y avoir des incendies, tu le sais. Ils sont soit à peine éteints, soit certains rougeoient encore. Notamment quartier Châtelain, quartier de la Loi. Ce que tu estimes être par là-bas. Et vous laissez Talabaim derrière vous pour vous diriger vers le cratère, vers le tout petit hameau, la petite ferme, pas très loin, mais où Théodoric a laissé, mis à l'abri sa famille. Là, vous arrivez à une centaine d'individus en plein milieu de la nuit, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Théodoric, quand tu es là devant cette ferme, tu sais que les tiens sont à l'intérieur et sur la route il y a le convoi que tu escortes. Qu'est-ce que tu décides de faire? Là, je suis près de la ferme où ils sont. T'es devant, t'es voilà. On va dire que vous avez avancé. Hein, vous êtes, je sais pas moi, c'est peut-être cette ferme là. J'en sais rien. Je leur dis, je fais stopper le cortège si possible. Et je dis à Caron et à Engla et frère Léopold, faites-les patienter juste un instant. Je vais voir si tout va bien à l'intérieur et voir si on peut en héberger quelques-uns ici.
Pas de avant soucis. Peut-être de les répartir sur d'autres fermes. Je hoche la tête. Moi aussi. Merci, merci. Je vais voir à l'intérieur. Tu vas voir l'intérieur, tu vois que comme c'est le milieu de la nuit, il n'y a pas du tout d'activité. T'as l'impression que tout est calme. J'appelle en fait quand même, toi, je dis Lavinia. Lavinia. Henriette. Edgar. Markovitz. Magnifique. T'entends une voix d'homme. Théodoric, c'est oui. Toi. Que fais-tu ici en plein milieu de la nuit? Est-ce que tout va bien ici? Oui, pourquoi? Car c'est l'enfer. Lavinia dort. C'est l'enfer, Théo. Talabaim, la ville. Elle a été prise, elle a été envahie par les hommes rats. Tous les soldats ont été massacrés. On a fui la ville avec quelques réfugiés et une poignée de soldats de Sigmar. Ils sont à l'extérieur, là. Est-ce qu'on peut en héberger quelques personnes? Le temps qu'on... On trouve quoi faire. C'est l'enfer. Quelques... Oui, une demi-douzaine, peut-être, mais guère plus. Le temps qu'on leur trouve des fermes, peut-être. Qu'ils puissent rester là, au moins pour la nuit. Le temps que je leur trouve d'autres endroits où aller... De toute façon, il va falloir qu'on aille prévenir les autres fermes et qu'on rassemble des denrées et de la nourriture pour tout le monde. Et qu'on trouve d'autres réfugiés. Il y a forcément d'autres gens. Ouais, c'est pas dans les petites fermes, les petits hameaux que tu vas trouver. Tu vas trouver de l'aide. Si ces gens ont pas peur de marcher, tu sais bien que à un ou deux jours de marche, il y a. Vous pouvez aller à côté du lac, à Donker Road, c'est un peu plus gros. Peut-être moyen d'en caser plus. On est très près de la ville, là, ou pas? Ah, tu avais dû les 2-3 heures de marche, on va dire. Et vous voulez pas venir avec nous? Ça me paraît une ferme isolée comme ça. Avec tout ce qui se passe dans Talabaim, je suis pas rassuré. Bah, si t'arrives à trouver de quoi transporter ta Dulcinée dans son état, parce que je pense que le voyage, ça va être compliqué. C'est à combien de jours avec 2 jours de marche, je me dis. Ouais. Ah non. Après, si tu dis qu'il faut. On abandonnera la ferme, mais... Crois-tu vraiment que ces bêtes vont venir jusqu'ici? Oui. Oui, oui, oui. J'ai vu tout ce qu'elles ont fait dans Talbeim. Toute la ville est envahie. Toute la ville, tu m'entends, Edgar? Je plaisante pas. Talbeim n'est plus à nous. Elle n'est plus aux hommes. Elle est aux hommes rats. Il se signe. Sigmar nous vient en aide. Il faut prévenir Aldorf. Quelqu'un y a pensé? Oui, mais il faut qu'on puisse sortir pour ça. On est tous bloqués dans le cratère. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on organise quelque chose. Va réveiller Lavinia. Je peux pas vous laisser ici. Vous devez venir avec nous. On va trouver quelque chose. Un brancard, un truc, un sommier, j'en sais rien. N'importe quoi pour la transporter. Tu veux la réveiller maintenant? Oui, maintenant. On a mis 2-3 heures pour venir. Edgar, mais tu m'entends quand je te dis que la ville est aux hommes rats? Oui, oui, mais on n'est pas en ville. Enfin, je veux bien te croire. Hein. Ah, je monte. Enfin, où je vais, là où est ma femme. Très bien. Elle dort. Innocemment. Je la secoue très légèrement au niveau de l'épaule. Je dis, Lavinia, c'était où? Réveille-toi. Tout va bien? Que t'arrive-t-il? Je suis désolé, mais... Il faut que tu viennes avec moi. Je suis désolé de te réveiller, mais... On retourne Il faut qu'on parte d'ici.
On retourne à Talabheim ? Non. On fuit Talabheim. On va faire ce que ton père a suggéré. On va aller à... Merde, c'est quoi le nom du patelin qu'il a mentionné, là ? Il a dit Dunkerhold. Dunkerhold, c'est quoi ça, en fait ? C'est une ville ? C'est un petit village. Petit village, ok. Mais c'est plus loin ? Oui, oui, bah oui. Ok, bon. Vers le lac. Ok. On va se diriger vers le lac. Alors, dis à tes parents de nous rejoindre. On prend quelques provisions pour le cortège et il faut que tu viennes. Ça, je sais que ça va pas être facile. S'il faut, on te transportera. Il va falloir que tu m'aides à marcher. Je vais t'aider. J'essaie de trouver un truc, tu sais, sur lequel on pourrait la transporter, un genre de brancard improvisé, tu sais, un... ou même carrément, si c'est une ferme, un chariot, tu sais, un truc dans le genre. Même si ouais, c'est une ferme, peut-être un âne, on peut peut-être avoir un attelage ou un truc comme ça. Brouette, que tu... Ouais, il y a peut-être même un âne ou un truc comme ça. Ouais, ouais, pas... bah je vais... Ça va pas aller vite, mais... Ouais, ok. Oh, mais c'est pas grave, Jésus. C'est pas grave. Voilà, c'est ça. Non, non, je suis vraiment le père. Que tu crois Que je crois, ouais. En fait, c'est un homme moral, le père. Je vais prendre l'âne et je vais l'atteler au chariot et à la brouette ou je sais pas quoi là. Ok, bah tu vas y arriver. Les autres, vous allez voir tout le manège là. Et les gens devant attendent. Caron et Ngla, vous voyez également la scène, hein, frère Léo aussi. Je vais aller aider, bien sûr, hein. dès que je vois Théo ressortir. Très bien. Tu fais la connaissance avec sa compagne. Mais... Oui, Théo nous avait dit ses projets, qu'il voulait faire sortir tout le monde de la ferme. Moi, je croyais qu'il voulait qu'on dorme tous là, en fait. Ouais, mais apparemment... Il n'y a pas trop de place, quoi. C'est ça, le truc, après. Ouais, c'est ça. Après, on peut faire un feu et on peut faire une pause ici. Hein. Si ça fait 3 heures qu'on marche, de toute façon, on peut tous faire une pause. Moi, ça ne m'empêche pas de préparer les choses pour le lendemain à l'aube. Je pense que tout le monde doit être épuisé, non, quand même. Enfin, ah, c'est le milieu de la nuit, il vous est battu. Ouais. Oui, en effet. Ouais, bah oui. Ah, il peut faire marcher 3 jours d'affilée. Ce qu'on fait, c'est qu'on va allumer un feu, on va préparer les tables et on va faire en sorte que les gens puissent dormir et se réchauffer dans les tables, dans la ferme. On organise tout ça, quoi. Au moins qu'on puisse s'enrouler dans des couvertures, dormir à la belle étoile, quoi. Kéron, Engla, vous... toi, Engla, t'as dit que tu aidais, pas de problème. Donc plutôt Kéron, face à cette situation-là, à part le désespoir et le... Comment le fatalisme, le projet de Théodoric, là, d'aller à côté du cratère, dans un plus grand village, et d'y installer tout le monde, là, qu'est-ce qu'il en pense ? Pour moi, ça reste. Je garde ça pour moi pour le moment parce que j'ai bien compris que mon fatalisme n'aidait pas les troupes, hein, clairement. Donc je garde ça pour moi, mais je suis toujours dans la même optique. À quoi bon, en fait ? Même si on réunissait les gens et qu'on réunissait tout le cratère, qu'est-ce qu'on va faire après, hein, de toute façon ? Donc je vais peut-être aider quand quelqu'un me tend un truc en disant ouais, il faut faire un feu. Et qui me dit on va chercher du bois, je vais peut-être le suivre nonchalamment, la tête baissée, et ramener du bois, mais je suis très silencieux et clairement pas en train de proposer des idées. Ok. Merci. Non, pardon. Eh bien, on va pas développer plus. Ce qui va se passer, c'est que vous allez faire votre nuit là. C'est pas confortable, hein, c'est pas agréable, mais au moins vous êtes pas entre les griffes des hommes rats. Certains vont faire des tours de garde, craignant que les attaquants de Talabheim aient bien se déversent également dans les champs là et sur les corps de ferme environnant. Mais pas d'activité, pas de menace, rien du tout. On dirait que vous n'avez pas été poursuivi, ou en tout cas, ils n'ont pas trouvé votre trace, si c'était le cas. Le lendemain matin, votre convoi va se mettre en marche, en direction de l'un des petits villages du cratère,
donc Hérode ou un autre, si vous, vous avez envie de changer, c'est à vous de réfléchir à ça, mais ça paraît la meilleure solution. On va suivre les conseils, je pense. Oui. Ok. Bah, vous y connaissez pas grand-chose, hein, donc effectivement... Oui, c'est ça. Oui. C'est bah, à côté lui, du lac. Le... Voilà. Vous allez réussir à atteindre cette destination-là. Alors je vous passe sur le voyage. C'est compliqué, surtout pour toi Théodoric, avec ta compagne qui est un peu gênée par son état. Il faut faire mais beaucoup à combien, de pauses. Là, déjà ? C'est assez. Comment dire ? Je sais pas, je vais pas te dire en mois, mais c'est. C'est presque fini, quoi. Ah, donc 8 mois, quoi. Si tu veux. Là, bah, parfois, si tu dis que c'est presque fini, du mal à marcher. C'est 8 mois. Oui, non, mais tu pas. Ça. C'est pas très important. Vous allez arriver dans ce petit village. Vous vous rendez compte immédiatement à l'entrée de ce petit village qu'il y a déjà des réfugiés. Il y a déjà des gens qui ont dû quitter Talabay et faire la même chose que vous. Mais peut-être quelques jours auparavant. Peut-être lors de la première attaque dans le quartier marchand. Il y a déjà des tentes qui sont dressées à l'extérieur de la pauvre palissade de ce village. Et c'est clairement des gens qui viennent de Talabaïm. Il y a tout, mais il y a surtout de ce que vous comprenez être des maisons nobles, en fait, qui ont plié bagages et qui ont quitté le quartier Châtelain quand les premières incursions ont eu lieu et ont menacé la ville. Putain. Vous n'allez pas pouvoir vous installer dans l'enceinte du village, il n'y a pas vraiment la place, mais vous allez pouvoir installer votre campement là-bas. Et mine de rien, il va y avoir 200-300 personnes, dont une grande partie provenant de Talabaïm, qui va se regrouper dans ce village. Ma question est simple. Qu'est-ce que vous envisagez de faire, de prévoir, de... comme plan d'action pour la suite? Il y a d'autres villages autour. Pour les autour, gens qu'on vient de rencontrer qui étaient ici, est-ce qu'ils peuvent nous dire s'il y a d'autres villages pas très loin? Bah, tu sais qu'il y a d'autres villages dans le cratère, mais pas très loin, non. Ce sera toujours, il faudra toujours marcher un petit peu. Ok. Alors un petit peu, ça peut être 2-3 jours, hein, c'est faisable. Mais je veux dire, il n'y a pas, plein de villages au même endroit, quoi. On te dit mais qu'à deux presque. Jours de marche, il y en a un plus au sud, enfin tu vois, mais... Ok. On est presque 300 maintenant, là, tout confondu. Il n'y a pas moyen de faire quelque chose? Mmh. 300 à peu près. Mmh. Ouais, tout confondu, hein, comme a dit Engla. Ouais. En termes d'hommes qui savent se battre, ça fait combien? À peu près. Il faudrait peut-être essayer d'aller voir les nobles. En termes d'hommes qui savent se battre, tu veux dire un quart de ça, quoi. D'accord. Ok. Un quart de 300? Ah oui, ça fait pas bézef, quand même. Non, c'est clair. Quand on... Enfin, avec tout ce petit groupe là qu'on a réuni, je vais faire le tour des gens.
que j'ai qu'on vient de rencontrer, hein, avec qui on n'a pas quitté Talabem, et leur demander simplement, je vais faire le tour des personnes et leur demander simplement s'ils connaissent pas un moyen de quitter la ville, de quitter le cratère, pardon. Je me dis que Talagad, on a quand même croisé un marchand de poissons qui connaissait un tunnel sous la souricière. J'avoue. Qui permettait de rentrer dans le cratère. Donc je discutais avec les gens et j'imagine que 99% vont me dire que bah, par le chemin du sorcier, il n'y a pas de chemin, mais peut-être que quelqu'un connaît un chemin caché. Donc toi, t'essayes de te renseigner pour savoir comment on pourrait quitter le cratère. Ouais. Frère Léo, toi, tu voulais essayer... Je vais aller voir les nobles, moi, pour savoir s'ils savent où était la comtesse, qu'est-ce qu'elle faisait quand ils sont partis, tout ça. Ok. Engla et Carole et Théodoric. Moi, je vais faire le tour des gens qu'on a là et voir s'il n'y a pas quelques femmes aussi qui seraient constituées de façon à savoir se battre, enfin, avoir assez de muscles, quoi, pour essayer d'en faire des combattantes, des demi-combattantes. Et pour essayer d'augmenter le nombre de personnes qui sauraient se battre, hein, d'accord. Bah, Engla, est-ce que tu pourrais pas, les non-combattants, commencer à les former un peu, à leur donner les rudiments, que ce soit homme ou femme, hein, d'ailleurs. C'est le but, oui. Ouais. Là, je vais commencer à voir justement... S'il y a des femmes qui sont malades, chétives, qui ont des problèmes de santé, je vais les laisser. Mais les autres, essayer de les rassembler. Pour on voir a des prêtresses de Chalia avec nous. Il y en avait quelques-unes. Ouais. Donc s'il y a des gens malades, elles peuvent les soigner, là. Puisqu'elles avaient le remède. Oui, si vous avez le temps, il n'y a pas de problème. Oui, ouais. Je parlais de maladies autres que... Enfin, pas forcément celle qui est tombée sur... Mais pas forcément la peste. Oui, ouais, d'accord. C'est ça. Ouais. Okay. Genre la lèpre, le choléra. Et ouais. Toi, Théodoric ? C'est une chose sympa. Ce que je fais, c'est plutôt mettre à la recherche de. Parmi tous les gens qui savent se battre, ceux qui ont une expérience un peu en commandement ou en stratégie, tout ça pour essayer de constituer. Un petit conseil stratégique auquel peuvent se greffer bien sûr mes compagnons, hein, évidemment. Mais et puis des gens qui connaissent bien Talabeim pour essayer de voir s'il y a des endroits où on pourrait se balader en Talabeim sans être vu autre que les égouts, s'il y a des passages, des points stratégiques, des trucs où on pourrait tendre des pièges, tu vois. Du renseignement sur la cité, quoi. Oui, oui. Alors, Caron, toi, je vais même pas te faire de jet, en fait, parce que la plupart des gens que tu vois ici, ceux qui étaient dans ce village, ils ont même jamais mis les pieds dans Talabay, mais ils ont même jamais quitté leur village, tu vois, ils ont fait une randonnée de 20 km et ils sont jamais allés plus loin, quoi, dans leur vie. Personne ne sait comment sortir du cratère, et au contraire, les gens sont très contents qu'il n'y ait pas de passage, parce qu'ils se sentent protégés à l'intérieur de leur cratère. Donc malheureusement, tu leur apprends même qu'il y a des chemins de contrebande, tu vois. Même les nobles qui viendraient de Talabaim, même les Sigmarites, etc., personne n'a entendu parler d'un autre moyen de quitter le cratère. La plupart des gens te disent, mais pourquoi est-ce qu'on voudrait quitter le cratère? De toute façon, c'est tellement grand que on risque rien. Ok, il y avait pas un contrebandier dans le lot, quoi. Et même s'il y avait un contrebandier, il t'aurait dit, oui, on a des chemins de contrebande, mais il faut être dans Talabaim pour les emprunter. Parce que la contrebande, on l'emmène en ville, on l'emmène pas dans un petit village paumé. C'est vraiment en ville que se fait que se font les négociations, les ventes, et etc. Ok. Frère Léo, toi, tu te focalises sur les nobles, tu apprends qu'ils ont quitté la ville
bien avant la deuxième attaque, l'attaque de la nuit qui a vu le temple de Sigmar être défendu par vos soins. Eux, ils sont pas au courant de cette histoire de comtesse. Eux, ils ont quitté la ville parce que non. ça sentait pas bon. D'accord. Et certains le regrettent un petit peu, tu vois qu'ils sont un peu gênés de leur acte d'avoir quitté la ville et d'avoir abandonné en fait Talabine. Tu t'en rends compte, tu connais un peu les lois de la cité, tu sais que normalement les nobles sont tenus de défendre la ville. Et quand Théodoric monte dans les jours qui viennent, on va dire, un petit conseil de guerre pour essayer de réunir les bonnes volontés et ceux qui ont des connaissances, eh bien, tu te rends compte, vous vous rendez compte que les nobles sont très intéressés par ça, parce qu'ils veulent faire partie de la résistance, même si elle vient de l'extérieur, parce qu'ils sont, pour la grande majorité, eh bien, pas très peu fiers de leur acte. Donc, ils essayent de se rattraper. Mais donc la comtesse n'a pas fui la ville, c'était ça que je voulais savoir. Ah non, elle n'est pas là, clairement pas. Elle n'y est pas, d'accord, ok. Elle n'est pas partie avec eux. Non, non. Bah non, parce qu'eux, ils sont partis avant. D'accord. L'histoire de l'attaque elle aurait du pu. Grand manoir ouais, et ouais. Le, ouais. Le chevalier là, qui avait dit qu'elle avait disparu, qu'elle avait été emportée par les Skaven, ça, je suppose que vous en avez parlé entre vous. Mmh. Engla, toi, t'essayes de mettre en place, de ce que j'ai cru comprendre, eh bien, une sorte de d'entraînement, quoi, c'est ça ? Oui, d'entraîner les femmes, basique, d'entraîner hein. Peut-être les plus jeunes, ou pas, à toi de voir, hein, si tu veux les mêler à ça. Non, pas les enfants, bien sûr que non. D'accord, ok. En le disant, je me suis dit, grosse connerie. Alarme, drapeau rouge. Donc les femmes, oui, bah, qui sont capables de tenir une épée, vont le faire. T'atteler dans ce sens-là. C'est ça. Je vais essayer d'organiser des sortes de petits cours par petits groupes. Ouais, bah, y a aucun problème. Puis... Tu vas pouvoir faire ça, puisque vous avez un peu de temps, hein, donc si tu veux me décrire comment se déroulent ces petits cours par petits groupes, il n'y a pas de souci. Eh bien, petit groupe par petit groupe, apprendre à tenir une arme correctement. Pourquoi pas, si on a la possibilité d'avoir un tronc d'arbre pas loin, essayer de s'entraîner à frapper dedans pour avoir quelques bons gestes. Voilà, vraiment des bases sommaires. Apprendre à esquiver un petit peu, à parer un coup dans la mesure du possible. Vraiment les bases. Mais par contre, comme à chaque fois que je me retrouve dans un groupe pendant un petit moment, il y a toujours un moment où je vais mettre à chercher le visage de ma sœur, au cas où. Qui, pour moi, dans ma tête, a toujours l'âge qu'elle avait au moment où elle a disparu. Et je... De temps en temps, quand j'ai du temps libre, mes yeux passent d'un visage à un autre pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui lui ressemble. T'as toujours cet espoir ? Toujours, toujours. Mais malheureusement, dans ce petit village reculé, pour l'instant en tout cas, tu ne la retrouves pas. C'est peut-être pas plus mal finalement, vu tout ce qui vient de se passer. Peut-être qu'elle est juste dans un endroit paisible. Faut espérer. Ça existe. Dans le vieux monde, ça peut être compliqué. Pas sûr. Bien. Alors là, ce qui se passe, c'est que vous avez certains énoncé des choses à faire sur un temps long. Ça va prendre du temps de former ces femmes au maniement de l'épée. Ça va prendre du temps de recruter une sorte de bureau de direction de la résistance, ça va prendre du temps de se lier avec les nobles et d'apprendre toutes les informations à droite à gauche. Caron, toi, tout ce que tu m'as raconté, ça prend peut-être un peu moins de temps. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que c'est à toi que ça va encore arriver. Un matin,
Il y a un cavalier qui va arriver dans ce village, qui arrive à bride abattue, qui saute de cheval à l'entrée, là où il y a toutes ces tentes, où il y a tout ce charivari, là, et tombe sur toi. Des nouvelles de Talabaim ? À qui je dois le dire ? Dis-le moi, je passerai le message. Y a pas encore de chef ici. Bien, j'étais vers la muraille et y a quelqu'un qui m'a chuchoté à travers une infractuosité dans la roche, dans le mur. Il paraît que les hommes rats ont pris la tête de la ville. Ils ont fait venir la comtesse devant tout le monde et elle a abdiqué en faveur de leur chef. Hein ? Encore pire que ce que je pensais. Je vais aller transmettre le message à tout le monde. C'est pas fini, attendez, il t'attrape le bras. Quoi, qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire encore ? Ils ont pas tué tout le monde, ils les ont réduits en esclavage. Tous les humains, tous les gens encore vivants à l'intérieur, ils les ont réduits en esclavage. Il paraît que ils les font travailler, ils détruisent complètement le Talgarten, ils coupent tous les arbres et ils fabriquent des choses, ils construisent des mécanismes, des choses, il a pas su me dire. C'est assez secret, ils savent pas trop, ils construisent des trucs, ils font construire à leurs esclaves. Ok, c'est encore pire que ce que je pensais. Écoute, va vers les personnes là-bas, t'as dû faire un long voyage, tu pourras te reposer un petit peu et boire de l'eau. Si tu veux rester, tu peux, et je le laisse là, un peu pantois. Ouais, merci. Et je vais chercher Théodoric qui, je sais que même si c'est pas le chef, c'est un petit peu lui qui a eu la bonne idée de commencer à rassembler des gens importants, on va dire. Bah effectivement, Théodoric a pris l'habitude de se regrouper avec des gens importants, comme tu viens de le dire, c'est un bon descriptif assez généraliste, dans une tente qui va faire office de tente de commandement, quoi. Ouais. Je participe au conseil, moi. Oui, toi, je considérais que tu y étais aussi, étant donné que tu t'étais rapproché des nobles et qu'il va certainement y en avoir dans ce groupement un peu hétéroclite, hein, malgré tout. Il va peut-être y avoir des Sigmarites, il va peut-être y avoir des contrebandiers aussi, pourquoi pas, hein, qui malgré tout, aimeraient libérer leur ville. Hein. Et donc, sous cette grande tente de commandement, entre guillemets, à quelques pas du champ d'entraînement dirigé par Englar, on entend sa voix qui, de temps en temps, hurle des ordres à certaines femmes qu'elle entraîne, ou même certains hommes qu'elle entraîne. Et ben dans cette tente, tu rentres, Caron, puis tout le monde est penché sur, je sais pas moi, un plan de la ville qui a été dessiné au charbon de bois, sur un bout de tissu, là. Tu rentres en trompe, ou doucement Je rentre en trompe, je pousse le tissu qui fait office de rideau, et je rentre en trombe. Je dis, j'apporte de mauvaises nouvelles de Talabaim. Là, on a eu la visite d'un messager. La ville est tombée totalement aux mains des rats de manière officielle. Ils ont obligé la comtesse à se prosterner devant eux. Elle a abdiqué publiquement. Et qui a envoyé le messager ? Il y avait quelqu'un dans la ville qui a pu murmurer à quelqu'un qui était à l'extérieur et il s'est empressé de nous rapporter les nouvelles. Et ce n'est pas tout. Apparemment, ils ont rasé le Talgarten. Ils ont pris tout le bois pour construire quelque chose. Ça veut dire que tout ça, c'est pas fini. Talabaim, c'est la première étape. Ou alors, ils cherchent quelque chose en Talabaim, mais ils ont besoin d'outils. J'en sais rien, en fait, mais... Clairement, on pourra jamais reprendre la ville avec les forces en présence.
Et alors que je dis ça, je tressaille un peu et je ferme ma bouche en me disant oh merde, j'avais dit que je fermais ma gueule pour éviter de décourager les gens. Donc je me redis et. Et j'attends, et clairement dans mon attitude, on pourrait presque voir un jeune soldat qui attend des ordres en fait. Je suis tellement désespéré que je suis prêt à écouter n'importe qui. Est-ce que moi j'ai obtenu des informations sur. Sur la ville, stratégiquement parlant et tout ça? Tout à fait. Je peux pas te les décrire moi-même, hein, mais tu as okay, tu as pas mal d'idées, en tout cas, d'options envisageables. Le truc, c'est que vous manquez d'informations sur ce qui se passe réellement à l'intérieur, mais pour tout ce qui est emplacement, même parfois tu apprends qu'il y a des portes dérobées, t'étais pas au courant, dans certaines murailles, etc., qui sont vraiment bien cachées, tout ça, tu vas avoir eu le temps d'avoir de ton côté quelques billes et quelques cartes à jouer, ouais, c'est possible. Ok. Je pense que il faut pas qu'on gâche nos forces. Il faut que certaines personnes ici continuent de rassembler le plus de gens possible dans le cratère, continuent de les former. Et il faut qu'une poignée d'entre nous se rende dans la ville pour espionner discrètement. Pour avoir un état des lieux clair de la situation, pour connaître des cibles qu'on pourrait frapper, voir ce qui se passe concrètement. Parce que ça nous permettra ensuite de décider ce qu'on ferait d'autre. Et même si on fait rien d'autre, au moins on aura des informations à transmettre si on arrive à sortir. Bah, tu voudrais qu'on aille les espionner ? Oui, je vois pas d'autre solution. Sinon, on est à l'aveugle. On sait pas quoi faire. Tant qu'on n'a pas une compréhension claire de tout ce qui se passe là-dedans, eh ben pour nous, c'est juste une armée qu'on peut pas battre. Alors il faut qu'on... Il a raison. Trouve. Je suis bien d'accord avec toi, Théodoric, mais... Enfin, les Skaven ont aussi infiltré la ville et à faire des plans et à espionner, mais ce sont des Skaven. Qui parmi nous est capable de s'approcher d'une ville fortifiée pour aller glaner des informations? Car on en est bien sorti de la ville. Il y a des portes dérobées, des entrées secrètes dans les murailles. On arrivera à passer. Si les humains sont des esclaves, rien ne nous empêche de faire les esclaves. Voilà, s'il y a encore des gens à l'intérieur, on pourra se mêler à eux. De toute façon, Caron, qu'est-ce que tu veux faire? On peut pas sortir. Oui, le temps est compté. J'ai demandé à tous les gens qu'on a croisés. Personne ne connaît de sortie, hein, autre que le chemin du sorcier. C'est fou, cet endroit est un vrai gruyère et personne n'en connaît les entrées. Et voilà, c'est un gruyère. Et c'est pour ça que les rats ont réussi à rentrer. Mais écoute, Caron. Si on attend ici, on va tous mourir. Ils vont pas rester cloîtrés dans Talabé, mais ils ont un autre objectif. Il faut qu'on sache ce qui se passe. Ils sont en train de construire quelque chose, ils ont pris du bois. Il y a un plan encore qui est encore en marche. Ça veut dire qu'il y a un plan qu'on peut encore arrêter. Ou en tout cas, on peut au moins se renseigner sur ce plan. Et ensuite seulement, on pourra tirer des conclusions. Bien, bien, tu as peut-être raison. Je sais pas, après tout, j'en sais rien. Exactement. Moi non plus, j'en sais rien. Et c'est ça que je te propose. Qu'on aille se renseigner. Et ensuite, on verra. Donc on envoie des gens là-bas ou on y va nous-mêmes? Il faut que ce soit des volontaires. Moi, je vais y aller. Mais... une poignée de personnes, ceux qui veulent venir. Oh, je vais venir aussi. Bien, je vais parler tout ça à Engla. Je sais qu'elle aime pas être perturbée pendant qu'elle fait ses cours, mais elle dit que ça distrait les nouveaux. Mais je vais aller lui parler de tout ça, prendre la température. Et je sors de la tente en laissant un peu tout le monde là. Alors que des chuchotements doivent se faire entre les différentes personnes autres que Théo
Et frère Léo, en apprenant tout ça, et je vais rejoindre Engla et n'osant pas la déranger alors qu'elle fait des grands gestes avec son marteau, je vais attendre quelques minutes qu'elle me remarque sur le côté. Il y a une aire de sécurité d'ailleurs autour. Faite au charbon sur le sol. C'est ça. Oui, je vais quand même te repérer facilement et puis et me rapprocher de toi. Tu veux un entraînement, Caron ? Oh non, je ne servirai à rien au combat. On a déjà vu ce que ça a fait. On a failli passer tous les deux. C'est trop tard pour me former. Mais j'apporte des nouvelles, en fait. On a eu la visite d'un messager et des mauvaises nouvelles pour la ville. Talabey est tombée officiellement aux mains des Skaven. La comtesse a abdiqué. Et ils ont rasé les jardins pour récolter le bois, faire quelque chose. On ne sait pas trop. Et ils se servent des humains comme esclaves. J'en ai parlé à Théodoric et à frère Léo. Et les deux proposent qu'on envoie des gens là-bas pour voir ce qui se passe vraiment, qu'on ait des informations concrètes pour pouvoir agir en conséquence. Attends, des humains comme esclaves ? Oui, c'est ce que j'ai dit. Il restait du monde alors là-bas ? Bien sûr que oui. Et ben alors, faut y retourner, bien sûr. On parle de d'enquêter, hein, là, non pas d'une charge. Oui, oui, pour l'instant. Je vois des flammes dans tes yeux qui dansent. ok, bon, tiens, vous avez tous l'air envieux de retourner dans ce foutoir. Je vous comprends pas, honnêtement. C'est en face parce de que toi, t'as une meute de femmes avec les flammes dans les yeux aussi, tu sais, au moment où tu dis ça. Une quinzaine de femmes, limite, la bave aux lèvres de rage. Pour une fois qu'on leur donne l'occasion de se défouler, elles se donnent à cœur joie. Si j'étais pas Caron, je trouverais ça impressionnant, mais... Je vous comprends pas, on risque de crever en retournant là-bas, mais... Enfin bon. Je suis pas la plus intelligente de nous, mais... Tu crois pas qu'on va crever ici au bout d'un moment aussi ? Quand on n'aura plus rien à manger, plus rien à faire et... Mon seul espoir était de trouver une troisième solution, tu sais. Je pensais qu'on pourrait s'enfuir de ce cratère, mais ça semble compromis. J'ai interrogé tout le monde et personne connaît d'issue. Ouais, j'ai fait une solution avec les informations là-bas. Peut-être, peut-être. De toute façon, j'ai fait le voyage avec vous et je le continuerai avec vous. Et tu notes que j'ai pas dit que je le finirai avec vous. Ok, on part quand ? Je sais pas, je voulais t'en parler avant. Il n'y a pas de plan encore concret. Théodoric et frère Léo ont juste émis l'idée d'aller là-bas, mais... Il n'y a pas de date de fixer encore. Vous êtes à 2-3 jours de marche, hein, n'oubliez pas. Mm. Bon, okay. Je serais d'avis de se mettre en route rapidement. Hein. Je laisse à ton entraînement pour le moment. Allez les filles, on y retourne. Tu vois que j'ai un mouvement quand tu dis ça, puis je réalise que bah non. Une vraie petite mère pleine d'enthousiasme. Même pas en plus. Du coup, je laisse Englala et... Englala. Et je vais continuer à errer un petit peu dans le camp, à réfléchir quand même à Théodoric, à la proposition de Théodoric. Pour moi, c'est pas si facile de dire oui, on y retourne, quoi. Vraiment, je vais encore réfléchir à tout ça. Même si ça tendrait, pour ce que j'ai dit à Engla, à suivre mes compagnons. Peut-être bêtement, je ne sais pas. Mais voilà, je vais réfléchir encore à tout ça. Les autres sont, par contre, tout à fait partants, c'est ça ? Bien, on va pas continuer beaucoup plus longtemps, pour ce soir en tout cas. Ah, est-ce que vous avez des trucs à rajouter là tout de suite ?
Je vais essayer de voir si je trouve des cataplasmes, moi, pour me refaire. Des katanas. Non, des katanas, non. C'est... Je ne suis qu'un humble initié. Dans le village, peut-être, si j'arrive à en trouver. Oui, tu dois éventuellement pouvoir y arriver. Il n'y a pas trop de soucis. Voilà, moi, je vais essayer d'en acheter deux. Est-ce que dans les jours qui ont précédé là, cette nouvelle information, les uns les autres, vous avez voulu faire quelque chose ou faire quelque chose en plus? Moi, j'ai demandé aux nobles s'ils ont un moyen de communiquer avec l'extérieur du cratère. Ok. Les nobles en question vont te répondre que eux ici, ils n'ont pas de moyen de communiquer avec l'extérieur. Ils savent que quand ils étaient chez eux en ville à Talabaim, en tout cas, il y avait moyen, puisque il y a des pigeonniers qui permettent aux pigeons voyageurs de communiquer, notamment avec la capitale. D'accord. Mais ils n'ont pas emmené leurs pigeons avec eux. Hein. Ouais. Pigeons voyageurs dans la ville, donc. Ouais, parce que dans le village, là, en tout cas, il n'y en a pas. Et ils sont où? Ils me le disent? Où est-ce qu'ils sont, ces pigeons voyageurs? Oh, bah, il y en a certains qui sont dans les manoirs des uns et des autres. Hein, ils vont t'apprendre. Ah, d'accord. Okay. Sinon, c'est généralement Temple de Verena. Ok. Comment ça s'appelle? Truc des édits, là, au tribunal des édits. Ok. Et c'est à peu près tout, hein, normalement. D'accord. Éventuellement, si on arrive à accéder au quartier Châtelain, au manoir de certains de ces nobles, ils ont des pigeons chez eux. C'est ça. On pourrait envoyer un appel au secours à la capitale, éventuellement. Parce que tu comptes rentrer. Je comptais juste me mettre à l'extérieur avec un drone et voilà, et ramener les informations, quoi. Il faut être druide pour ça. Il faut avoir un animal de compagnie que tu peux envoyer. Un pigeon. Un pigeon, justement. Okay, si on avait des drones, on les enverrait directement à la capitale. Toi, tu t'es renseigné pour communiquer avec l'extérieur. Très bien. Fais-moi un petit jet, tiens, s'il te plaît. Tu me donnes juste un dessin pour voir. Théodoric, tiens, toi, t'aurais voulu rajouter quelque chose avec tout ça? C'est bien, ça, ou c'est pas bien? Il faut que je le relance ou pas? Non, de toute façon, tu peux pas vraiment relancer. Hein, mais... Ah, bon, d'accord. C'est pas du point de fortune, là. Ok. En attendant Théodoric, je vais juste te répondre par rapport à ton jet. Il y a des gens qui te disent qu'ils ont entendu, mais ils savent pas si ça a été fait, si c'est vrai ou pas, que lors de la première attaque des Skaven, uniquement dans le quartier marchand, il y a déjà des gens qui disent avoir essayé de contacter Aldorf. Ah, d'accord. Déjà. Mais c'est des rumeurs et tu sais pas si c'est vrai. Ouais. Par pigeon voyageur, donc. Oui, tout à fait. D'accord. Ouais, ça... Mangerai pas de pain d'en renvoyer. En décrivant l'urgence de la situation. Ouais. Alors... Alors du coup, Théodoric, Engla et Caron, est-ce que vous auriez rajouté quelque chose pendant les jours... En plus, quoi, ou une idée à faire remonter au conseil là que vous présidez là. Non, mais moi ce que je suggère, c'est que, enfin, le conseil, c'est des gens qui avaient des connaissances stratégiques ou qui connaissaient bien la ville. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que, enfin, moi, ce que je te propose, c'est que quand on sera dans la ville, bah, parfois, on puisse considérer que on se déplace ou on est au courant d'un truc. Grâce à ces gens-là, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, en ayant eu soit leurs informations, soit parce qu'ils vous ont accompagné, ce sera également possible, tout à fait. Et aussi, il faudrait mettre en place un moyen de communiquer avec eux depuis l'intérieur. Par des flèches, avec des mots accrochés ou des trucs. Qu'on soit pas obligé de sortir de la ville. Oui, ce serait possible de prévoir quelque chose comme ça. De toute façon, tu sais que de toute façon, il y a moyen juste de communiquer parce que ça a déjà été fait. Le petit messager qui était venu là vous a expliqué à quel endroit il y avait un trou dans le rail, etc. Ouais, bon, c'est possible.
S'il y a un trou, on peut peut-être glisser des petits mots. Oui, aussi, certainement, mais même jeter par-dessus. Ou tu sais que dans le Talgarten, il y a une énorme grille qui donne sur sur les champs, là, elle est souvent fermée d'ailleurs, mais c'est possible, hein, c'est pas non plus fort à la mot le truc. D'accord. Du coup, Caron ? Je vais essayer de récupérer aussi donc du papier, de quoi écrire. Ok, si j'en trouve. Du coup, Caron Engla, est-ce que vous pensez à quelque chose d'autre ? Bah, Engla ne pense pas, déjà. Oui, mais elle a peut-être un instinct. Non, elle va se concentrer sur l'entraînement des femmes pendant ce qu'elle D'accord, fait. Ok. Très bien. Et Caron ? Et moi, du coup, après avoir passé quelques temps à réfléchir, est-ce que ça valait le coup ou non ? Est-ce que ça vaut le coup plutôt de descendre en ville ou non ? Et optant pour le fait de partir avec mes compagnons, j'ai pas de demande particulière auprès des gens ou d'idées. Par contre, je vais penser à ma gueule, et comme d'habitude, et je vais embarquer, discrètement ou non, peu importe, mais du plein de matériel. Je veux une corde, je veux une lanterne, je veux un bouclier, même si je sais pas m'en servir, un petit tronc d'arche en bois là que je peux encorder derrière mon dos. Je veux être sûr que mon armure de cuir, elle est en relativement bon état, qu'elle me protégera. Enfin voilà, sans me mettre à l'état de mule en prenant un menhir sur mon dos, je prends tout l'équipement possible qui pourra nous servir, hein, une corde, une lanterne, de l'huile. Ok, bah très, très très bien. Je note que tu as pensé à ça. Bien, et ben on va vous laisser là. L'organisation de la résistance face à l'envahisseur Skaven. Vous avez commencé à gérer ça depuis ce village d'Ankerode, et là vous décidez de vous rapprocher de la ville pour vous-même aller espionner, récupérer des informations, c'est ça ? Ça. L'objectif, c'est de pouvoir communiquer toujours avec les gens qui restent au village, même si c'est à 2 jours de marche, et de vous-même avoir un pied dedans pour voir de vos propres yeux, ou bien communiquer avec les gens qui seraient déjà en esclavage et qui auraient, depuis tous ces jours-là, déjà des informations à vous donner, quoi. C'est ça ? Oui, des infos par tous les moyens, là. Très bien. Et puis on peut libérer les esclaves, ce qui ralentirait vachement les scavens. Ça risque d'être compliqué quand même.